parti. Oh là 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 là. Ah là 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 là. Le bordel sur mon écran. Mon gars, le bordel sur mon écran. J'ai oublié de changer le titre en fait. J'ai oublié de mettre. Vite. Fit Summer's War quand même. On a quand même un petit fit Summer's War sur ce stream. Où est-ce que j'ai mis ça? Le e-commercial. Voilà, je change mon titre. Normalement, devient tout devrait être bon. Bonjour l'apprenti, bonjour EasyGoth. On est reparti dans le même délire que hier. Je viens de finir de taffer. Il y a une demi-heure, là, précisément. Le temps de rater, de rentrer, de me mettre bien. Vous reconnaîtrez le petit logo Ultra Soleil qui était sorti, que j'avais utilisé il y a très longtemps pour Pokémon Soleil, où j'avais rayé le Ultra. Du coup, je l'ai remis en commémoration de ce joyeux événement. Si je puis me permettre, je me le permets. Donc on va voir du Summoner's War, je suis un petit peu en urgence parce que je suis à 10 sur 10. Et ça, vous le savez, c'est le mal. J'ai un truc à vous montrer, j'ai un truc très très drôle. Ce matin, j'avais un mec qui s'était troué sur ma défense. Voilà, il faut savoir que ce mec là, t'as vu sur le chaîne Summoner's War, ouais, le mec qui drop run du 2 heures de feu. J'étais là en mode, je vais vous ban les gars, je vais vous ban. Il faut savoir que ce mec hier m'a attaqué 4 fois ce mec là. Il m'a attaqué 4 fois, il y avait draw, il a fait un draw. Attends, qu'est-ce qu'il a fait hier? Il a fait draw, il a raté son attaque, il a raté son attaque et il a réussi la quatrième. Du coup, je me suis dit, oh, un mec a revenge 4 fois. Je l'ai revenge 4 fois. Du coup, ce matin, il m'a revenge 4 fois, mais il s'est foiré une fois, tu vois, il s'est encore foiré une fois. Du coup, trop cool. Trop cool ce mec, j'espérais qu'il m'ait réattaqué, mais malheureusement non. C'est un petit peu dommage, parce que ça va ralentir notre gameplay. De Pokémon, tout simplement. Est-ce que tu peux, Got, me mettre un petit highlight, tu veux bien, sur le chan, sur le Discord, en disant oui, le stream est lancé, tout ça, la petite mélodie, ok. Alors, pour ceux qui ont raté le début, l'épisode 01 et celui de hier, hein, il ne s'appelle pas épisode 01. On va essayer de rush un petit peu le jeu, parce que bon, on va pas se mentir, c'est une version ultra, c'est-à-dire que le jeu va pas basiquement changer énormément. Donc sur les parties reloues, ce qui serait intéressant, c'est que je suis très bien. Ravi d'entendre ça, il me parle le petit truc là, le petit robot. Je sais pas ce que vous pensez du setting, je pense qu'il est pas trop mal. Peut-être que je devrais faire une box pour le chat ou quoi, je ne sais pas. J'ai rajouté mon code ami ou quoi. Et du coup, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, que nous avons résumé le Rocabo, Rocabo avec une très bonne nature. J'ai pas regardé la nature du Lapureil. J'en sais rien. Je sais pas. Oh, le lapareil! Mais non, le lapareil est rigide! Mais non! L'improbabilité! L'improbabilité d'avoir un lapareil rigide! Mais c'est exceptionnel, mes amis! Vous ne le savez peut-être pas! Mais vous voyez quoi? Une stat d'accrou, ce qui veut dire l'attaque est augmentée de 10% et l'attaque SP est baissée de 10%, ça tombe bien, il a une attaque SP pourrie et une attaque de ouf! Très bon choix! Oh putain, j'ai pas checké hier! Très bonne nouvelle! Exceptionnel! Cette chat! D'accord, ouais, non, mais. EasyGoth, franchement, on est d'accord que t'es au tab. Hein, le mec qui drop des 5 nats, tout va bien. Tout va bien. Ok, donc le Lapureil est totalement cool, il n'est pas shiny. Évidemment, on a déjà deux frappeurs, deux bons gros frappeurs. Je sais pas, il a tempo perso. D'accord, je savais même pas qu'il pouvait avoir ça. Ok, donc le Rocabo événementiel qu'on a récupéré avec Crofeu. Ok, je sais pas encore, je pense que le Sepiatros, je vais pas trop l'utiliser, parce que c'est pas trop mon délire. Même si ce Pokémon peut être très fort s'il a contestation. Je sais pas si j'en sais rien, on va le foutre là. Ok, c'est parti, on rush le jeu le plus possible. Donc on va utiliser, je pense, Rocabo, Lapureil et Otaquin, évidemment, pour essayer de nous carry.
Ok, voici l'école des dresseurs. Donc évidemment les gars, on va pas se mentir, on va leur mettre la misère. J'essaie de m'occuper de ce rasoir en même temps, même si c'est plutôt en fond. Tu peux la re-runer. Tu peux la runer même. Comment ça? J'ai pas compris la runer. Tu parles de la reine du désert feu? Ouais, bah bien sûr qu'il peut la runer. Mais elle est trop cool. Ok. D'accord, école des dresseurs. On trace. Est-ce que le son c'est bon? Dites-moi. Les Luchennes ont fait leur travail. Vous voyez que je suis à 1619. Donc je suis top 1500, c'est bon. Par contre, en termes de cote, on est largement au-dessus. Hein. Je rappelle qu'il faut être top 10 000 et 1500. Donc la difficulté cette semaine sera très probablement d'être à 1500. Le top 10 000 risque. Pas d'être le problème. Bienvenue à l'école des dresseurs. Le passage obligé de tout dresseur qui se respecte. Ok, j'ai mon stylet qui fait que glisser, je sais pas pourquoi. Mais voilà. C'est la nouvelle recrue du dernier. Oui, le Baba. Le Baba. Voilà, ok. En parlant d'expérience, on va tracer du multi-exp. Ah, ça c'est une bonne nouvelle, les gars. Ça c'est. Une... Voilà, et ben ça, mais mon gars, on va activer direct. Parce qu'on est des gros cheaters. Et puisque parce qu'on rush le jeu. Elle n'en a pas l'air, la frangine, mais ses méthodes d'enseignement sont top. Ah, c'est sa sœur. J'avais complètement oublié ce fait ça. Elle a même formé le capitaine de l'île. Ok, d'accord. Ok. On va se fighter, hein, tout simplement. On va évidemment activer. Il y a toujours la place festival. Ça, les gars, ça me fait vraiment peur. Je sais pas. J'ai pas regardé si j'avais mis les animations. Rapide. Par contre, on n'est pas des cheaters. Style défini. Animation du combat avec. Par défaut. Ok. On va sauvegarder ces paramètres. Faut juste que. Je crois qu'il faut que j'aille voir tout. Sinon, ça va. Oui, ça va pour le son. En fait, c'est juste que si. Non! Putain! Il est encore pire que Chili, lui! Non, c'est pas parce qu'il est gros. Parce que tout à l'heure, je vais me prendre des. Eh, il est gros, nanani, nanana. Putain, je sens qu'il va me saouler. Oh, il va me saouler. Il va grave me saouler. Je le sens, les amis, je le sens. Je sens qu'il va grave me saouler. Allez, lui, on va saouler. Non, j'ai pris les Luchennes. Oh, j'ai perdu. Oh, j'ai tellement perdu. J'ai pris les Luchennes, je me suis trompé de team. Waouh. Regarde, il y a un mec qui a pris. Dis-moi que j'ai le first. Oh, j'ai le first tone. Non, j'ai pas le first tone. Oh, je vais me faire. Tue pas. Non, tue pas. Oui. Oui, oui monsieur, oui. Et ben là ça a marché, Heureusement on a réussi à outplay la team ennemi. On va pouvoir aller la Luchenne comme des connards. Oh là 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 là. Attends, stun pas mon deuxième Luchenne. Bon, il le revenge, on s'en fout. Puisque la team ennemi est morte, c'est exceptionnel. GG, well played. Faut que je parle. Ouais, salut, aoua. Oula, oula, allô là. C'est pas beau. C'est pas le boss de l'arène électrique. Si. Enfin, c'est. Est-ce qu'on peut parler de arène électrique? Hein? Dis-moi tout. J'adore la cocaïne. Hein, c'est intéressant. Ok, est-ce qu'on peut. Merde, je peux pas me barrer. Oh, je peux. Mec, je peux pas me barrer. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Allez, putain. Cet endroit me saoulait déjà, mais alors là, on est en train de battre tous les records. Mais non, ça va pas durer 10 ans. Oh, déjà que. Et pourquoi ils ont remis une place festival? Pourquoi vous avez fait ça? Aloha, aloha, allo, allo, Mora. Deux festipièces. Et j'ai pas répondu aux questions, hein. J'ai juste spammé comme un gros connard. Voilà. Comme ça. Je peux pas me barrer. Oh, je peux pas me barrer. Oh, qu'est-ce que c'est relou. Il en a fumé avant de stream MDR, mec. T'imagines même pas, Next Trump, comment c'est nimp. Déjà, je lance un combat avec des Luchennes contre une team en face avec double buffer ATB. Je sais même pas comment c'est passé, mon gars. Je devais tellement me faire violer. Voilà, vas-y. Mais mets la boutique. Écoute, mets la boutique. Voilà, on a mis la ball boutique. C'est pour les gens qui ont des bonnes grosses balls. Pokéball, hein. Attention.
Un max de FP. Heureusement qu'il a pas dit un max de FAP, tu vois. Mais bon. Ceci. Ah, vous pouvez actuellement vous barrer. Voilà. Voilà. Vous pouvez actuellement vous barrer. Non, le mec il m'entraîne dans son canard. Oh putain, j'en peux plus. Mais pourquoi j'ai appuyé sur ce bouton? Tu parles d'un rush? T'appelles ça un rush, Tomoe? Bah ouais, j'appelle ça un rush. Regarde, évidemment, je rush. Regarde, ça se voit pas. Orion, c'est chiant. Ah, quoique. Regarde, je suis tellement un connard que je tente. Tellement je suis pressé. Non, mais c'est pas bien. C'est pas bien ce qu'il faut faire. Le PC, nanana, nanana. Ok. Nanana, nanana, mini-quête. Nanana, par internet. Wouh! Eh, regarde, je suis un ouvrier avec un casque. Pourquoi le mec il a un casque alors que tous les autres ont pas de casque? Quelle est l'utilité même de ceci? Quitter la place. Ouais. Putain, mec. Oh, y'a infirmière Joël. Non. Allez, vas-y. Dis-moi que tu veux de pâte. Mon petit Manzai chéri a un coup de mou en plein combat. Je lui donne une potion. Oh, la mec. Eh, hey, c'est trop bien. Alors là, mon gars, les Lushen, ils sont pas bien. Allez, Lushen, one shot. Oh, mec. Mec, ça passe. Ça passe. Ça passe même sans le buff attaque. Va-t-il? Oh là là, il a une hors def. Non, il proc violent, l'enculé. Les box. Les box, comme ça, tu tues Théo Mars. Et tu affaiblis. Oh là 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 là. Mais quel gameplay d'huître. Lucien va-t-il y arriver? Eh oui, mon dieu. Lucien, il y est arrivé. Tu devrais rajouter ce meilleur dans le titre. Il y est. Réactualise ta page. Réactualise ta page. Il y est. Logan, la jeune sportive, veut se battre. Putain, le Lucien. Le Lucien qui fait. Hop, attends, attends. Box, je tue au Mars. Carte. Voilà, il s'est pris pour Hisoka. Il s'est mis à jeter des petites cartes et tout. Trop trop bien. Rokavo! À l'attaque. Il est type quoi? Il est type roche. Ça fait quoi feu? Attends, il n'y a pas une attaque. Morsure c'est... Morsure c'est x1. Mais c'est quoi l'attaque la plus puissante? Attends, comment on fait? C'est L plus A. Pour voir les informations. Non, d'accord. Ok, je me suis fait bait. Ah bah oui, j'ai appuyé sur R plus A. Je voulais voir. Oh, je l'ai brûlé! Le gameplay, mon gars! Tout prévu, all plan, all plan. Ça, tu savais pas, mais c'était prévu. C'était prévu de le brûler. J'avais oublié que Crofeu, ça brûlait. Même si ça me paraît évident maintenant. Ok, on va faire morsure. C'était ça que je voulais faire en fait. Je voulais voir la puissance de base. Et ça, c'est 65. Bon, c'est bon. Ah, ça peut rater. Ah, d'accord, génial, ça peut rater. On va évidemment maintenant l'apeurer. Regarde, tu vois, regarde. Attention. Petite morsure. Clac! Mec, tu vas faire quoi? Fléau! Ah, il va me défoncer. Ok, d'accord. Coup critique. D'accord, donc effectivement. Effectivement, les amis, ça m'a pas fait très très mal. Nous avons gagné ce combat magnifique. Est-ce qu'on a un autre combat avec... Oh, ça, non, ça m'appelle Lucien. Ça, ça se Lucien. Tous Lucien. Là, pour elle, apprend ténacité. Mon dieu, il est énorme. On empête Trempette. Je pense que même si c'est une attaque de merde, ça sera mieux que Trempette. Tout va bien. Vous êtes actuellement combien? Vous êtes actuellement 5, c'est pas la folie. Non! Mais non, j'ai mis ce clic! J'ai mis ce clic! Mais tout va bien, tout va bien, tout va bien. Comme dirait Orelsan, tout va bien. Tout va bien, merci Orelsan. J'ai fait 0 dégâts. Ah, mais oui, parce que l'autre il avait. Oh là 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 là! Les gars, c'est pas bon du tout. Lui, il avait un anti-buff. Ouais, mais j'ai vraiment fait de la merde. J'ai vraiment... Ah, mais oui, il peut même pas avoir le buff. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais lui, hein, faut le tuer. Oh, il va voler mes buffs. Ah, il a détruit mes buffs. Ah, je vais même pas y arriver. Oh, je vais perdre juste parce que j'ai fait des conneries. S'il te plaît, stun. Oh là là, j'ai perdu la Mégane. Tue-le. Do it. Non, don't kill Mégane. Ah, mais oui, mais lui, il tape pas Mégane. C'est bon. Allez, il est mort. Petite carte. Mets-lui un crit. Wouh! Ouais, mec, je vais pas y arriver. Faut que Mégane tienne un coup. Le buff attaque. Lui, il est mort. On est d'accord qu'il est mort. On va juste le taper pour être sûr. Je veux vraiment être sûr qu'il est vraiment mort. S'il te plaît, épargne-la que j'ai le buff attaque. Hein. Je sens que ça sent, ça sent pas bon toute cette histoire. Ah, je suis con, j'aurais dû lui mettre le break def. Ah, quoi que, regarde, ça va glancing. Ça va crit, de toute façon. Ah, là, ça crit. Les cartes de Lucien sont revenues. Aïe, 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 aïe. Ah, il est mort. Ah non, non, le tue pas, le tue pas. Non, arrête de proc. Mais non, proc, c'est du cheat.
vite. Allez Bernard, Bernardino. Oh là 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 là, quel combat intense, suspense inébranlable. Et voilà, merci Luchen. Je me mets à PLS, tout ça et tout. Un PVCC, MDR, ok. Ok. Bonjour Marius. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai gagné mon combat. Ça se trouve, j'ai pas vu. Ouais, mais en même temps, il n'avait pas perdu beaucoup de points de vie. Donc, c'est normal que Fléau fasse pas beaucoup de points de vie. C'est en fonction du nombre de points de vie qu'il a perdu. Mais comme il a très peu de points de vie, bah, il tape que dalle. Puis mon Rocabo, c'est un Rocabal, mon gars. Il est trop fort. Un Rocabo des Rocabals. Non, c'est l'inverse. Un Rocabal des Rocabos. Non, c'est pas comme ça. Ça marche. Lui va me dire non. Allez, il veut. Lui, il se prend pas pour une star. Non, non, va défoncer les autres avant. Je vais trouver une potion. Très utile. Ok, d'accord. Plante au feu. Ok, d'accord. Entre le type eau et le type feu, qui gagne? Bah, le type plante. What? Bah, c'est le type eau. Voilà. Sauf s'il a un double type. D'accord. Génial. Génial. Totalement génial. Oh, il y a un gamin. Allez, on rush. On rush. Et vous croyez qu'on peut rentrer dans la cabane? Moi, je veux rentrer. Moi, je veux rentrer dans la cabane. Non? On peut pas rentrer dans la cabane? Ok. Ok, bon, on rentre pas. Eh, c'est une ruche? C'est une ruche, ma gueule. Non, je déconne. Attends. Il y a un thermomètre à l'intérieur pour mesurer la température ambiante. Ok. Gonou Bluki. Les insultes, c'est pas bien, nous. Bloqué. Supprimé. J'aime pas. Non, il y a Trompette Zay qui n'attaque de ouf, Guédin. Ah ouais, mais bon, il faut mettre une. Faut mettre un move dessus. Évidemment, Rocabal va faire son attaque Croc de Feu. Voilà. Ouais, d'accord. On s'est pris un rugissement. Donc, on va switcher. On va switcher sur la prochaine attaque. À part si on le brûle. Oh, les dégâts. Non, mais en fait, il y a. Oh, le coup critique. Je rappelle que les coups critiques, comme vous pouvez le voir là, les coups critiques ignorent la baisse de stats. Ce qui est totalement fort. On va évidemment switcher sur Otaquin. Qui est Otaqué? Ouh. Fallait répondre plante. Ouais, franchement, fallait répondre plante, c'est ça. Je crois qu'en vrai, je crois qu'il fallait répondre plante. Cette team va s'écrouler face à Wa ou pas Wa? Wa ou pas Wa? Wa ou pas Wa? Sirène. Pas Wa. Évidemment, on a mis notre switching. Je sais pas ce qu'il a fait. Il a dû faire rugissement. Ce qui fait qu'on s'en bat les steaks parce qu'on a Voix Angeleuse. Et attention, regardez, c'est prêt. Les dégâts vont être exceptionnels. La Voix Angeleuse est partie. On va tuer évidemment le Rakan. Hein. Là, je vais taper là parce que. Ah merde. On va taper le Rakan. Regardez. Bam on le... Oh mec, il a rien perdu le Rakan. Pourquoi il a. Oh, attends. Attends, vous savez quoi? Allez hop. Merde, j'ai. C'est bon, je vais le tuer au tour d'après. Ah mais non, le Rakuni va faire chier. Non, en fait, faut que je tue Rakuni. Non, en fait, faut que je tue le singe, sinon je vais avoir des contres. Ennuie ta maman. Oh non, mais non. Mais d'où? Mais n'importe quoi. Genre, d'où ils ont tous tapé dessus? Il prog violent, ça riposte, ça stun, ça. Sa grand-mère, quoi. Ben il est mort. Ah ben GG, Wildplay, il est mort. Allez, tu le tueras lui, là. Tu me le tues, tu le sors. Tu dégages au taquin à one shot la cible. Allez, merci, j'ai perdu Chazune. J'ai un petit peu perdu. Et bah, faut que je kick ça tout de suite, du coup, sinon j'ai absolument perdu. On va lui poser un breakdown. Ok, il n'y a plus de buff attaque, ni de part, ni d'autre. On va essayer de tuer ça. Oh là 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 là, Molong va prendre cher. J'aurais dû mettre le boubou sur Molong. Je vais tuer le Rakuni parce que lui, j'en pouvais plus. On va mettre le boubou. J'espère qu'il peut tanker. Ouais, il tank. On va lui mettre 1, 2, 3, comme ça on lui proc l'endure et on le tue. C'est une 3DS, oui, c'est un jeu 3DS. C'est ultra soleil, regard touchant. Oh là là, oublier une capacité pour apprendre cette daube. Ouais, écoute. C'est, pour moi, les deux, c'est de la merde. Voilà, donc nous allons envoyer notre Molong strip. Peut-être stun le singe. Non, le stun n'est pas passé. Nous allons donc évidemment taper le singe, mais là c'est win. En vrai c'est win, je vois pas comment on pourrait trop perdre puisque on a le support de notre voilà, on a le support de notre Siren Light qui va soigner tout le monde et éviter qu'on meure. Bon,
Ça, ça devait arriver, mais c'est pas très grave dans les faits. Parce qu'on va pouvoir quand même le tuer. Et voilà, c'est passé. Totalement cool. Il oublie rugissement. Et il apprend regard touchant. Rocabo prend le multi-ex, tout ça, tout ça. J'ai pas de Pokémon particulier en tête. Hein. Je veux juste jouer. Genre, je joue, je trace et puis fin. Parce que là, j'avance pas vite. Allez! Si c'est entre minuit et quoi? Si c'est entre minuit et minuit, quand possible, oui. Ouais, ouais. On est en train de. Ouais. Je vais lui répondre, faut être 15. De toute façon. De toute façon, on verra les CVG. Ah putain, c'est vraiment truc qui est pourri. Kendall, le gamin veut se battre. Yo, Ellie Junior. Gros tas de morts. Non, juste tas de morts. Il est de type ténèbre. Il est de type ténèbre poison. Ou autrement dit, poison ténèbre. Un type qui fait que du coup, je ne peux pas utiliser. Non, j'ai fait l'attaque étrenne. Ah, mais ça fera plus de thunes. Une pluie de pognon. Gaz toxique, ça c'est pas très très cool. Ça m'a empoisonné, donc c'est pas très très cool. C'est vraiment un bâtard, le mec d'en face. Du coup, il va bouffer son crofeu. Bouffe ton crofeu. C'est un Pokémon Rush, une attaque feu, pourquoi pas. Pourquoi pas en vrai. C'est celui le événementiel qu'on vous donne. Hein. C'est une distribution. Hein. Je n'ai pas hacké. Hein. Je n'ai pas hacké le jeu, je rappelle. Je n'ai pas hacké, not hacké the game. You know. Et bam, crofeu. Allez hop, t'as de mort, utilisez Crafas. Il me met un peu trop de face. Ok, morsure. Et ben on spam, hein. On est des connards, on spam. Ok, on va aller faire. Regardez, est-ce qu'on a un autre combat à gagner? Attends, je vais peut-être lui écrire quand même 15. Je vais lui écrire 15 proprement, je pense. À l'aide de ça. C'est juste que les touches de mon clavier sont buggées. On va lancer un run géant, dragon. On va faire masse dragon. Tas de mort va perdu, mais c'est pas possible. Bah si, mais écoute si. Putain, comment je me sens trop bien, j'ai éclaté un gamin quoi. Putain, je suis vraiment un connard. Oh, je n'avais même pas vu la Pokéball. On trouvait un antidote. Tiens, on se demande pourquoi mon Pokémon est empoisonné. Évidemment, comme on est des gros radins, on va retourner au centre Pokémon le plus près d'ici. Du coup, un type spectre, ça le défonce. Pourquoi un type spectre, ça le défonce? Mais non, le type ténèbre est super efficace sur le type spectre. Tu n'as rien compris. Le type spectre est inefficace sur le type ténèbre. Il faut arrêter vos conneries tout de suite. Le type ténèbre défonce le type spectre. Tu n'as rien compris. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases, les gars. Enfin, Easygoth, du moins. Ok. On a notre VIP team. MVP totalement la folie. A savoir que mon Otakin n'a pas de nature. Donc, il ne va pas être génialissime. Ok. Pourquoi je... Alors, j'ai buté les deux qui étaient dehors. Il doit y en avoir, si j'ai bien compris, deux autres. Enfin, de mémoire. D'accord. Ceci n'est pas une porte. Ceci n'est pas un placard. Évidemment, je ne peux pas passer. D'accord. Ok, je ne peux pas passer. Tiens. Tu devrais donner ça à tes Pokémon griffon. Ok, c'est la vive griffe, j'imagine. Vive griffe. Ça fait taper en premier. Enfin, ça peut faire taper en premier. C'est un objet stratégique interdit. Donc, c'est un objet non stratégique, en fait. Ça c'était dehors. Ouais, alors là on t'explique un petit peu les mécaniques du game, sauf que je sais pas qui il faut interroger. Voilà, c'est la demoiselle. La Lumi, la petite veut se battre. Crisacier, un super Pokémon. Rocabo, go! Ok, le Rocabo est dans la place.
Il va le déboîter directement d'un... Non, je me suis trompé d'attaque, je voulais faire Crawfou. Mais ça va l'apeurer, je pense. Regardez, gameplay. Oh, il a charge. Bon, ça va pas faire très mal. Évidemment, le type assez plus plutôt intéressant early game. Hein. Ce moment où les Pokémon d'en face ont que des attaques normales. Évidemment, c'est plutôt fort. Mais bon, la moindre attaque haut et on plante et ça peut faire très mal. Très mal. Ok. Tiens, des Béorans. Merci, j'avais un petit peu faim. Eh, hey, t'as vu le tableau, mon gars? Le Pokémon feu, eh ben il éclate le plante qui éclate l'eau. Qui éclate le feu. Lololo. Oui, bah c'est merci. Merci. Et il reste un élève à... Non, il reste un élève à buter. Sérieux. Mec, il est où le dernier? Mais c'est qui que j'ai pas battu? Ah, c'est peut-être celui dehors que j'ai pas encore battu. Et j'ai battu les trois autres, donc maintenant je peux le battre. Je sais pas. On va regarder ça. Ok. C'est ça. That's it. 3 minutes 33. Je sais pas ce qu'ils ont branlé. Ou alors j'ai pas lancé dès le début. Une rune pourrie, on vend, on relance. Évidemment. C'est parti. T'as peut-être battu tout le monde, mais nous, tu nous auras pas. D'accord. Le mec... Ah, il parle de lui et de son abo. Ok, d'accord. Ouais, Inception, Pokémon... Sonore Joueur, Pokémon, trop de puissance. Mais bien sûr. Inception, mon gars. Attention, le abo qui à l'envers fait Eboa. Voilà. Hein, bref. Le Rocaball et Tabal. Intimidation, on est intimidé. Très mauvais choix. Nous allons donc switcher sur... on n'a pas de switch-in. Ah si, on a un switch-in, puisqu'il n'est pas de type fée. Mais cependant, un Pokémon de type roche me paraît intéressant. Dans le sens où on va pouvoir lui faire un petit Crawfeu. D'accord, j'ai raté l'attaque. Évidemment, 95% n'est pas 100%. Vous connaissez ma chatte, je vais me faire ligoter. Aïe, 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 ça fait des dégâts. Bon, ça va, ça fait pas trop mal. Le Crawfeu, s'il pouvait être posé et poser la brûlure. Oh là là, je viens de rater deux attaques à 95% quoi. Fais une lance attaque papillon, c'est à peu près ça. Mais sinon, je suis pas schizophrène, faut arrêter. Bonjour monsieur Mister Bell, car c'est pas très efficace. Ouais, regarde mec, regarde. Je me fais condamner juste parce que j'ai raté une attaque. C'est n'importe quoi. Je veux le brûler. Il apprend ta brûlure. Ah, il a une morsure. Je vais mourir. Mon dieu. Je peux pas. En plus, je peux pas switch. Comme je suis ligoté, je ne peux pas switch. Et je suis condamné par ce Crawfeu qui fait que rater. Et c'est le kill. Voilà, Abo est mort. Tout à fait cool. Rocaball montre niveau 11. Il est trop bien. Ouais, je l'ai vaincu quoi. Easy mon gars. Pas très efficace. Il y a un PD qui a eu un Monkey King. Quel est le PD qui a eu un Monkey King? Qu'est-ce qu'il a eu comme Monkey King? Oh ça va. Oh ça va, pour une fois que c'est un que j'ai. Je crois que le dragon va mourir. Se reconnaître sa supériorité, prend cette CT ultra laser. Rengorgement, ok d'accord. Je ne te condamne pas, c'est la suite d'au-dessus. Dur de lire un chien en jouant à deux en même temps. Non, ça va, j'ai lu. Trop de puissance. Mais c'est lui qui a dit qu'il est schizophrène. Pourquoi je parlais de ça, moi, de schizophrène. Je parlais pas de toi, mon cher High Camper. Boum boum. Ah, j'ai annulé. Parce qu'un misclic, c'est fatal. Pouf. Pouf. Ok, c'est parti. La CT 01. Tu crois qu'ils nous donnent tous dans l'ordre? Soigne mes Pokémon, s'il te plaît, Lily. Comme ça, j'aurais pas besoin d'aller
Au centre Pokémon, ça serait cool. Soigne mes Pokémon, s'il te plaît. Ah, ça c'est un, ça c'est une bonne élite. La meuf, elle, elle touche pas les Pokémon, mais elle les soigne. Et ouais, mon gars, elle touche pas les Pokémon, mais elle les soigne. Genre, elle aime pas les Pokémon et tout, elle combat de Pokémon, mais elle les soigne. Ah là, oh, franchement, bravo. Allez, petit combat. La petite pute, là, comme ça. Imagine, j'avais pas soigné mes... imagine, tu dis, oh, je suis appelé par le directeur, j'y vais. J'ai pas soigné mes Pokémon. Elle aurait profité de ça. Mais elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas. T'as fait le TOA 80... Non, j'ai fait que le TOA normal. Oh là là. Que fait le modérateur Izigo? Que fait le modérateur? Pourquoi tu ne modères pas la ligne de lettres spammées dans tous les sens qui n'a aucun sens? Elle a un brin d'hibou. Et heureusement, nous avons un Rocabal avec Crofeu. Bam! Destruction! Ah non, c'était coalition! Destruction! Attention, ça va faire mal! Cependant, Rocabo s'en bat les steaks parce que c'est lui le meilleur. Et il va lui faire une attaque Crofeu! Et bam! J'ai pas activé le multi-exp ou j'ai activé le multi-exp? Non, j'ai activé le multi-exp, c'est bon. Putain, je l'ai défoncé avec mon Rocabal. Tu veux pas venir enseigner ici? Ah non, je rigole, lol. MDR, XD, PTDR, c'était une balle. C'est une super balle. Ça a une affinité super balle à Pokéball. Supérieure à la Pokéball. Ok. T'en penses quoi? Eh, hey, salut, c'est moi le PD... le capitaine. Capitaine. Viens passer mon épreuve au fond de la forêt du bois de Boulogne. Ouais. A, B, C, D. Fou. Eh, je suis drogué. Pokémon, c'est plus ce que c'était. Le truc, c'est bien. Ok, d'accord. Ok, c'est bon. Il y a 3 élèves dans son école. C'est un truc de malade. Est-ce qu'on peut se barrer sinon? Je suis en train de spammer tous les boutons. Eh, toujours 2 à l'heure. Putain. Ah, je suis là. Coucou. Par ici. Genre, j'étais là. J'étais là, les gars. On est d'accord que j'étais là. Hein, j'étais loin. Genre, elle a tourné à gauche. Et mon perso, il sait pas où elle est. Crédibilité 0. Crédibilité 0. Crédibilité under 9000. Under 9000. Tu serais vraiment bien battu. Là, 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 là. Sauvons Doudou. Oh, DFDP. Ah non, c'est Tauros. Je croyais que c'était la team Croquette. Tauros. Il y a, oh, il y a l'autre gros con. Coucou, c'est moi Pectorus. Et je fais joujou avec le Tauros. Ah oui. Caresser sa queue. Non, non, c'est sérieux ce qui est... C'est ce qu'il avait marqué, il a marqué caresser sa queue. Oh mon dieu. C'est impressionnant. Ou alors j'ai l'esprit mal placé. Attends, je vais regarder. Ah non. Non mais non, j'ai pas la rediff, j'ai la flemme. Oh, putain, il me saoule, il me saoule. Oh là 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 là. Mais lui une grosse baffe. Mais lui une grosse baffe. Franchement, je rêve que mon perso lui mette une grosse baffe et qu'on le voit plus jamais. Oh. Ce serait trop bien. Waouh. Ouais. Et regarde, il est même en train d'emmerder les gens. Ce gros con. Je sais pas si t'as vu. Ramolos. Ramolos. Ouais, je suis trop con. Oh, hey, toi là-bas. C'est un truc super important. Viens, viens là. T'as pas 10 euros, j'ai de la weed.
Je vais t'enseigner la transition dans l'eau. Répète après moi. Allô là. Allô là. Allô là. Allô là. Et qu'est-ce qu'on a fait? Rappelez-moi. On a fait quoi dans le... dans la festiplace, hein? On a déjà fait allô là. On est d'accord. Wow. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais il s'est passé. Bon, on va tracer. C'est dommage que j'ai pas le taurus. Ou un vélo. Ou un avion. Un avion. Ouais, un avion. Genre un jetpack, un truc comme ça, pour aller vraiment bien vite. Tiens! Me dis pas que c'est l'autre PD de Timmy. Putain, c'est l'autre PD de Timmy. Ah, c'est l'heure d'aller changer la robe dégueulasse. Ah non, c'est Motis Tex. Ok. Oh, le perso est dégueulasse. J'ai rien compris. J'ai oublié de relancer un dragon, excusez-moi. Il y avait de la speed, j'aurais peut-être pu la tenter. Je sais pas pourquoi je l'ai vendu. Ouais, sinon c'est bon. Comment ça s'est passé à l'office du tourisme? Nickel, on avait le Motis Madex, on peut maintenant prendre des photos. Oh. Genre l'appareil il faisait pas ça quoi. Coucou. Qu'est-ce que... Elle va lécher des vitrines. Elle a dit, hey, moi j'adore lécher des vitrines. Ok, d'accord. Oh, il y a un gros relou, une mur. Oui, mais... Je trouve ça chiant dans le jeu. Qu'en fait, c'est tu dois passer par là, 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 dans cet ordre-là, et il n'y a pas d'autre possibilité. Comment c'est? Ah, c'est ça. Utilisez le Pokéscope. Non, et franchement les gars, en vrai moi j'ai l'impression que c'est pas une photo qu'on est en train de prendre. Dans tous les 3 mètres. Ouais, c'est trop bien fait par rapport au vieux jeu. On est d'accord, monsieur Belka, il y a très longtemps, c'était totalement dégueulasse. La garde-robe. Ah ouais, putain, parce que là, franchement, là, on n'en peut plus. On veut des boots. La boîte lentillon. La trousse beauté. Oh my god. 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 Des fringues. Il nous faut des fringues gras stylées. Moi je veux des... Je veux une tenue en peau de cocon baf. Votre gros connard activé. Non mais y'a pas genre des vrais trucs. Un mini short. Non mais sérieusement. Y'a pas une robe sa mère. Oh les abus, oh l'abus quoi, l'abus. Chaussettes montantes blanches, noires. Mais les chaussures sont dégueulasses. Aucune paire de chaussures. Oh les coups de merde. Je voulais faire tourner mon perso sur lui-même, mais je peux même pas en fait. Ah, c'est L et R en fait.
Oh, y a un Pikachu surfeur. Oh là, ça c'est pas mal. Université. Ah ben, tout ça. Putain les gars, je... Bon, on est d'accord qu'il faut qu'on change de tenue quand même, ça sera mieux. Et on... Voilà. Et on va lui mettre des chaussettes de la mort. Des chaussettes tue l'amour. Chaussettes basses. Et ça va bien avec son bracelet en vrai. Jaune, c'est dégueulasse. Orange, c'est dégueulasse. Rose. Beige. Y a pas bleu. Y a pas noir. Allez, va pour noir. Allez, là, Call of Pokémon. Ah là là. Il faut que j'aille dans la cabine d'essayage hein, pour switcher les trucs. Ouais. Oh la victime mon gars. Allez hop. Changer de tenue. Oh, je dois en avoir deux. Mec. 100% c'est mieux. C'est juste ces chaussures dégueulasses. Attends, me dis pas que ça a pas validé. Sa mère, j'ai oublié de valider. J'ai oublié de valider. Ah mais j'en avais un autre de base. Et t'es pas mal celui-là. Oh, maintenant on a pris université, on va le mettre. Putain, ça c'était le plus important. Voilà. Le style est extrême. On va regarder s'il y avait rien d'autre. C'est ça qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle rush le jeu, les gars. C'est ce qu'on appelle rush le jeu. Mais vous pouvez pas comprendre. Allez, c'est parti. C'est parti maintenant. On rush. Ah non, mais fallait absolument que je vire ce truc. Il lui fallait des grosses chaussettes montantes. Sinon, rien n'allait. Mec, un mouchoir soie, mon gars, direct, instant. Insta. Allez, maintenant, on court. On court. Oh, c'est quoi ça? Ah tiens, c'est l'autre PD. Le paysage avec de superbes emblèmes dominants. Des quoi? Des emblèmes dominants. Ok. Je vois pas en quoi c'est un emblème dominant. Mais bon, retour au tab. Oh les membres de la Team Skull, ils décollent les emblèmes. Mais c'est vraiment des thugs. Ah, il faut que je les décolle. D'accord, il faut que je les décolle. Rocaball. Par contre, Rocabo, il va pas être super, donc ça serait peut-être mieux de... Je suis pas allé à la poké des dents, quand même. Je suis allé à la poké des dents, sérieux. Rocabo, ça sera... C'est pas le main. Le main, c'est... Oh, taquin! C'est lui, notre main. Ok, qu'est-ce qu'on a eu sur le dragon? De la merde. Run suivant. Ok, lui il va me donner un truc. Il va me donner. Ah, c'est effaceur de capacité. Ça sera joli. Non. Ok. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'ils vendent? Est-ce qu'ils vendraient pas des Pokéballs? Non. Est-ce qu'ils vendraient pas des bols chelous?
Des bols spéciales là, des... Ok, on s'en fout. Go, on s'en fout, bah on se barre là. Okay, je suis sûr que lui il vend un truc de ouf. D'accord. Ok, on s'en fout, on trace. Vive les vénins mystiques de GB7. D'accord. On court jusqu'au drapeau avec nos chaussettes noires. Le style, mon gars, le style, c'est important. Ok. Ah, il va y avoir les FDP. Hey, Tomoe, viens manger de la bouffe avec moi dans le magasin qui ressemble à un toutou avec une orange sur la gueule, même si c'est pas une orange. Putain, il m'insupporte, mais... La Steel Skull. Oh, c'est la Team Skull, Kappa. Wesh, bro. Oh, les thugs. Ils sont trop des thugs. Nous file ton amulette du tour des îles. Et pareil pour ta pote. Vous êtes parti de la Steel Skull. Vous enlevez les Vous voulez les emblèmes des dominants. Vous êtes vraiment trop des thugs. Bon, ok, on va les défoncer. On va les défoncer. Ah ben, eh, franchement, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il n'a pas bloqué ce commentaire? Ce couillon de... Ouais, bon, allez. Le stagiaire B. Hugo, elle veut sa vie. Hugo veut sa vie, elle est nazie, le style a son importance. Classique. Basique, simple, basique, évident. Sbire de la team. Le sbire veut se battre, il va prendre une raclée. Basique. Oh, un Asferanti. C'est surprenant. Asferanti. Au taquin. Au taquin. Attaque, pistolet à eau. Et c'est très puissant. Mais ça ne suffit pas, il joue sur l'ultrason, il joue sur le axe, c'est vraiment un FDP. En même temps, c'est un membre de la Team Skull. Allez, au taquin, s'il te plaît, ne te touche pas. Le pistolet à eau. Oh putain, quelle puissance. Mon dieu, qu'il est puissant. Au taquin, monte niveau 12. Oh, il est déjà fait... oh, j'ai déjà vaincu le sbire de la Team Skull. Ok, d'accord, j'ai déjà vaincu. Oh, j'ai déjà vaincu. Blabla, on s'est fait éclater par des gamins. On est vraiment des grosses merdes. Allez, fuyons. Voilà, merci. Et la dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez, il nous payait une malle à Samurai. Et là, non, même pas. Hugo Boss habille des nazis, le style a son importance. C'est pas du tout comme ça le refrain, mais on s'en fout. Allez, on se bat contre le capitaine PD. Non, je déconne, c'est pas bien, c'est Mugen, nananana. Ok, donc Captain et Obvious avec son Manglouton. Oh, il s'appelle Captain Trump, son Manglouton. Captain Trump, non. Eh bien, le pistolet va être lancé de façon très agressive. Putain, il tanque, c'est bien, il a bien dressé. Quand même plutôt compliqué comme match. Ah, c'est un speed tie, c'est à dire qu'il est aussi rapide que moi. Mais ne vous inquiétez pas. Ah si, non, en fait si, il faut s'inquiéter là. Parce que j'ai à peu près une chance sur deux de... En fait, si je perds le speed tie, j'ai perdu. C'est à peu près ça là. J'ai la même vitesse que lui. Oh le coup. J'ai pas une attaque à priorité. Putain, s'il tape avant moi, j'ai perdu. Oh, la foi, une chance sur deux, je gagne. Oh, le cheater! Arrête de cheater! Oh, le mec, t'as vu comment il a cheaté? Mais ça, c'est illégal! Mais c'est illégal! Ça devrait être interdit par la loi.
tu sais quoi? Je vais te mettre un switch-in. Je vais te switch-in Rocabo. Et là, tu vas faire quoi? Tu vas faire coup de boule dans un Pokémon Rush. C'est con, mon gars. Rocabal. Allez, vas-y, charge. Tiens, bah ouais. Mec, il a mis un coup de boule dans un rocher. T'as vu les dégâts qu'il m'a fait? Il est chaud, mais... Croc de feu. Rocabo. Boum. Et voilà. Oh, mec, j'ai même pas tué. Il a baissé ma défense. Quel FTP, quand même. Tes impressions pour le jeu? Bah pour l'instant ça a pas trop changé. Bon, graphiquement il y a deux petits trucs qui ont changé, c'est plutôt cool. À voir. L'interface est plutôt sympa. À voir. Ils ont pas enlevé la place festival, c'est dommage. Parce que c'était vraiment de la merde. Le colorieur qui arrive dans la place, est-ce qu'on peut le brûler? Ah, c'est compliqué. D'accord, Rocabo, il tient bon. Je sais pas comment il a tenu bon. Oh, on l'a brûlé, c'est génial. Oh, ça c'est le GG well played. Je sais pas trop ce qu'il a fait comme attaque. Étrenne, si on peut poser une étrenne, ça serait cool. Total soin, d'accord. Ok, d'accord. Moi, je double la table et lui, il met un total soin. Genre, c'est vraiment un mec pas cool. Fouillage. Donc là, il va tuer mon Rocabal. Le problème, c'est que mon Otaquin est très peu en vie. Du coup, on va envoyer le petit Laporeille. J'espère qu'il a une attaque combat. Ça serait cool. Est-ce que tu sens la déception? Hein? Est-ce que tu la sens? Laporeille, tank! Oh, mec, il s'est fait défoncer. Bam! Le coup de boule, mon gars. Écrase, t'écrases ta face, mon gars. Charge. Allez, tank! Allez! Casse-lui la bouche! On va utiliser ce tour stratégique pour soigner Otaquin qui va finir le match. Parce que lui aussi, il a utilisé un total soin. Il a totalement cheaté. Attends, je lui brûle son Pokémon. Il fait un total soin. D'où il cheat comme ça? Cheatons aussi. Également. Cheatons également. Et là, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Le pistoléo! Est-ce qu'il est plus rapide que moi, évidemment? On n'est pas bien, ça va faire mal. Ah, mais Otaquin tank. Et là, jamais il tankera un pistolet à eau. On parle de Colorian, un Pokémon qui a des bas stats en dehors de la vitesse, complètement dégueulasse. Bon, après, c'est vrai que contre des Pokémon de base, ça va. Otaquin a monté de niveau. Eh, mais t'es vraiment nul. Oui, tu es un défense pour le moins. Très très fort. Et pendant ce temps-là, Stella découpe le dragon. Oh, il y a un Maconier. Vous vous souvenez? Celui-là, il était en construction dans le jeu. Vous vous souvenez, hein? Ça, c'était en construction, je crois. Ah non, c'est là, peut-être. Il y a un poste de police. Qu'est-ce qu'il y a par là? J'ai trop peur qu'il y ait un mec qui veut se battre. Je suis sûr qu'il y a une CT. Il n'y a pas une CT par terre? Corraillon! Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Ok, d'accord. Bon, après, je conseille, pour ceux qui n'ont pas joué à Ultra Soleil, il me semblait qu'il y avait une CT. Voilà, mon gars. Oh, il y a un emblème, mon gars! Est-ce que tu crois qu'il va falloir tous les trouver? Oh mec, s'il faut tous les trouver. Elle est là, la CT. Par contre, j'ai plus qu'un Pokémon en vie, je crois. Oh, c'est l'attaque d'un Pokémon sauvage. J'aurais dû aller me faire soigner. Pas moi, le Pokémon. Oh, un Manity. C'est quoi ce Pokémon? Jamais vu. Ok, c'est un peu la petite animation, mais bon. En vrai, on s'en fout. Magnéti. Est-ce qu'on peut le pistolet à Oizé? Magneton est plutôt un très bon Pokémon. C'est un très très bon Pokémon. Très très fort, Magneton. Magnézone, pardon. Excusez-moi. Très bon choix. Il vaudrait la peine d'être capturé. En vrai, il vaudrait la peine d'être capturé. Mais j'ai la flemme.
Le problème, c'est qu'il évolue pas avant la fin du jeu en général. Echo! Le champion de League of Legends est présent! Allez, c'est parti! On passe le petit portail. Évidemment, on va utiliser le petit cheat portail. Je ne sais pas si vous connaissez le petit cheat portail. Attention! Je ne sais pas pourquoi il casse l'animation en deux. Il est où le centre Pokémon? Il était pas à gauche? Oh, il y a un emblème! Merde! Il va falloir faire le tour pour aller le récupérer. Je sais pas à quoi il sert, mais j'imagine qu'il va falloir les récupérer tous. Peut-être que... Ok, il y a une Pokéball. Tout va bien. Mec, mais il en a mis partout, c'est ouf. Merde, faut faire tout le tour. Mec, il y en a partout, c'est relou. C'était où? C'était là. Merde, on peut pas. Non, c'était de l'autre côté. Ok, non. Ah, il y en a là! C'était peut-être celui-là. Non, c'était même pas celui-là. Je crois même pas que ce soit celui-là. Je crois que celui que j'ai vu, il était carrément derrière. Ou alors c'est celui que j'ai vu. Non, il était là. Mec, il y en a partout, c'est ouf. Trempe. Ah, je croyais qu'on pouvait pas passer. C'est relou quand même de, si on va devoir tout, tout explorer pour tout ramasser là. Donc on peut passer. Pire qu'il va falloir faire guetter partout s'il y en a. Ah, il y a un Pokémon. C'est un symbole en fait. Ah non, c'est avec une canne à pêche. Ok, d'accord. Bon, je vais soigner mon Pokémon parce que je suis pas très bien. Oh, il y en a un là! Oh, la super furie! Vous avez vu la super furie du truc? C'est ouf! Hey, j'en ai vu un autre, j'en ai vu un autre sur la gauche. J'en ai vu un autre. Je l'ai spy, je l'ai chopé, je l'ai vu. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Allez, un petit run dragon. Tout va bien. On chope pas grand chose en dragon quand même. Les gars, je vais pas vous mentir, on chope pas grand chose en dragon. C'est pas la méga folie. J'aurais espéré mieux. Mais tant pis. Par contre, par rapport au jeu, je suis hyper hypé par le fait que... comment dire ça? J'en ai vu un. Où est-ce que j'en ai vu un? J'ai cru en voir un. En fait, collé à un mur. Ici. Quand l'écran a tourné. Attendez. Non, j'ai halluciné. Tout va bien. Par contre, c'est pas là-bas qu'on a la canne à pêche. Parce qu'ils nous ont dit qu'on pouvait pêcher ou je sais pas quoi. Tout le monde est mort dans le chat. Ouais, dans les maisons, non, faut pas déconner, il en a pas mis dans sa barque quand même. What? Mec, bien sûr qu'il y en avait un dans sa baraque. Ça, le mec a pas trop de trophées. Par contre, c'est un geek, hein. Je sais pas si vous avez vu. Ça, c'est setup de geek, mon gars. Hop.
Putain mec, je l'ai trouvé, je suis trop content. Putain, j'ai trop de chat. En vrai, mec, j'aurais pu le chercher longtemps celui-là. Y'en avait pas un dehors? Y'en avait pas un devant? J'ai cru en voir un. En fait, c'est celui-là que j'ai vu tout à l'heure quand je dis ah, j'en ai vu un. C'est juste, c'en était un que j'avais vu à travers la vitre et tout. J'ai soigné les Pokémon ou pas? Apparemment, le tour des îles était jadis un périple censé préparer les dresseurs à affronter les gardiens comme Tocorico. Elle donne des rappels. Je veux bien. Oh! Tauros, ultra laser. La stratégie pour les noobs. J'ai soigné le Pokémon. Je vais sauvegarder évidemment. Je suis à 2h09 de jeu. Putain, mais j'ai vraiment dormi. Alors évidemment, je vous rappelle la stratégie. On va monter Oratoria. Oh non, il m'a mis la poudre paralysante. Oh, mais qu'est-ce que c'est relou. Heureusement qu'ils ont inventé des solutions pour ça. Hein, parce qu'avant, c'était super chiant. Allez, je vais prendre quelques coups. J'ai pris 0 dégâts. Tout va bien. D'accord, OBS avait bugué. Je crois qu'OBS a bugué. Dites-moi si ça a crash ou pas. Mais visiblement, il y a eu un micro crash ou quoi. Soin. Et ça c'est cool qu'ils aient rajouté cette option-là. Ça t'évite d'aller au centre Pokémon en moindre souci. Je sais plus comment soigner l'électricité, je crois que c'est avec ça. Ouais, ça a l'air de réduire. Voilà, hein, pas déconner non plus. On va pas jouer avec toi 10 ans. Petite baie. Ah, j'ai raté un appel. Sérieux? J'ai rien vu. Qu'est-ce que j'ai eu comme appel? Je ne sais pas qui c'est. Génial. Super. Merci d'avoir foiré ma partie de semaine en soir. Ils sont relous les gens. Alors d'où mon téléphone? Normalement ça s'affiche pas comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ok, génial. J'ai rien vu, hein. J'ai rien entendu, le truc est en mode silencieux. Mais normalement les appels ils sont pas affichés comme ça, ils sont pas affichés normalement du tout. Je comprends même pas que ça m'écote le jeu. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Il faut que j'affiche le truc. Faut que je règle les paramètres, ça va pas du tout. Non, c'est pas ça que je suis en train de chercher. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. J'espère que ça m'a pourri le run.
Merci aux gens qui m'appellent, c'est trop cool. Faudrait que je les tue un jour. Peut-être que j'avais fini mon run, peut-être que j'ai eu l'objet, je sais pas. C'est chiant. J'ai pas tout vu, vous me direz. Allez! Waouh! Un coiffarel! Par contre, s'il y a l'animation à chaque fois, ça va me saouler. Il est fort, coiffarel. Déconne. Mec, quand même. Après, il a pas d'évolution, c'est pour ça qu'il peut, il peut se permettre d'être un peu plus violent. Par contre, il va être chiant à attraper, donc je vais tenter une voie rocheuse. Et s'il finit à un point de vie, je l'attrape. Sinon, tant pis. On l'a attrapé du coup. Le petit coiffarel. Pas d'évolution. Enregistré. D'accord, c'était pas le Pokémon rare. Personne quoi, il y a genre personne, ça me gonfle. Avec une troisième attaque, ça suffira de justesse. Après qu'ils prennent un niveau, ah, il a regagné un peu de points de vie. Je sais pas à quel niveau. Oh ouais, c'est cool, un quadjet, ça peut servir. Ça sera toujours mieux que regard touchant. Hein. Qu'un quadjet plutôt cool. Pas d'évolution. Ok. Je voulais regarder un truc. Vu qu'on a, on a vu le Clorior. Dans le Pokédex, hein, je pense qu'on l'a vu. Puisqu'il avait un Clorior. J'aimerais savoir où il est. Clorior. Il y en a! Il y en a, ça n'a pas changé. Rassurez-vous, ça n'a pas changé. Il y a des Clorior. Donc on pourra en attraper tout ça, si on veut faire de la chasse. Plutôt cool, plutôt sympathique. Donc on va défoncer tout ça. Et puis voilà.
Ok, c'est parti. Il est spectre, du coup c'est un peu chiant. Je vais faire pistolet à eau. Moi le truc me dit même 2. Hein. Non mais je vais drop des trucs de malade. Hein. Et puis voilà. Hein. J'imagine qu'il faut en avoir un nombre minimum avant de pouvoir... Peu vocal si tu veux, non mais c'est bon, t'inquiète pas. Le problème c'est que si je te mets en vocal, j'ai aucune idée de réglage son que ça va être et tout. Et ça va me prendre la tête. On s'en fout. Alors il a baissé mon attaque, ce qui sert strictement à rien pour contre-pistolet à eau. Ce qui peut servir contre un quad-jet, parce que là je sais qu'avec un quad-jet, clairement, je ne le tuerai pas. Donc quelqu'un va mourir, mais c'est pas grave. Il va être relié par Rocabal. Ça par contre c'est chiant. Mais bon, ça m'empêchera pas de le tuer d'un coup d'un seul. Ouais, mais électrocuté quoi. Putain, c'est vraiment le cancer ce truc. C'est chiant. Hein. On va retourner sur les Pokémon. Pour tuer les Pokémon. Parce qu'ils sont tous morts. Mais tous bobos. Tous tués là. Ah, regarde. Hypno, hypno. Une attaque ténèbre pour le tuer, ça va être totalement cool. Il est tellement endormi alors que je suis déjà paralysé, je crois. Ce qui n'est pas très pertinent. La rune, pas 6 étoiles, c'est dommage. Mais je pense qu'en fait, je streamerai qu'on se sera vraiment bien. Parce que là, c'est chiant, c'est la même histoire en vrai. En vrai. Bah, essaye, Théota, bah, essaye. Je vais te mettre, je vais voir. Vas-y, parle. Bonjour monsieur Théotap 57 du nom. Le mec est AFK. Le mec est AFK, d'accord. Monsieur Théotap 51, êtes-vous décédé? Je
Genre il parle, j'entends même pas. Même en le mettant à 200%, je l'entends même pas. Bon, bah tant pis, hein. Je sais pas pourquoi. Allô? Non mais son micro marche pas. J'ai baissé le son pour voir ou quoi, mais non. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai rien compris ce qu'elle a dit, le mec. J'ai pas suivi du tout ce qui se passait. En tout cas, je ne t'entends point. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne t'entends point, sache-le. Peut-être à cause des réglages que j'ai fait et tout, hein, mais... Vas-y. Non, mais en fait, ça parle pas, ça doit être de l'écho ou quoi, pas fort. Parce que je ne l'entends pas, du coup, je vais le redéplacer. Tout simplement. Il m'écrira le problème qu'il a eu si jamais problème il y a. Parce que je voyais bien ton icône qui s'éclairait et tout, hein, mais j'avais juste pas le son. Ouais, mais j'entends rien. Non, j'ai pas lu ce qu'il voulait. Ok, donc je peux pas passer, donc il faut que j'aille au cimetière avant, j'imagine. Où est le drapeau? Oh, j'imagine qu'il faut que j'aille au cimetière. Que je peux pas passer, je vois pas d'autre solution. Mais je verrai plus tard du coup. Au taquin, le pistolet à eau, il va tout passer. Merde, j'ai oublié, complètement oublié ça. Mon petit menace noir, t'as encore une poubelle quoi. Et franchement, en ce moment, c'est la dèche. Au niveau rune, c'est complètement la dèche. On l'a défoncé. C'était sans confidence. Un gros champion. Non, je peux pas m'occuper des réflages en plein live, hein, Théo, au cas où.
Voilà, donc il faudrait que je fasse ça, je sais pas quand. Mais je voudrais jouer avec le logiciel de montage ou quoi. Non, ça j'ai pas le retour casque. Je sais pas, je regarderai plus tard. Je regarderai en stream. C'est quoi petit ravine? Ouais, il tanque bien ce Pokémon, hein. C'est le pré-Levenard. Enfin, le Vénard tanque bien. Le spécial. Ah, mais du coup, j'aurais dû faire une attaque physique. Il est sûrement très mal tanké une attaque physique. Puisqu'il a une défense physique de caca. J'avais rien à faire en fait. Mais non, je me suis fait bait par le jeu. Donc il n'y a rien. D'accord. On va juste retourner là. Je vais juste aller parler à tous les gens du motel. Parce que je comprends pas. Ah, j'avais pas vu. J'avais pas vu qu'il y avait une route là, putain, je suis vraiment un putain d'aveugle. C'est trop cool! J'espère que je comprenais pas l'autre côté de l'hôtel ou quoi, du motel, je suis hâte. Cas d'oiseau. Le Pokémon nul. Avec une attaque, ça se trouve il va nous soigner, les gars, si ça se trouve il va nous soigner avec son attaque. Soigne-nous s'il te plaît, soigne-nous. Oui, le soin. Putain, génial. Rappelle son attaque, soit ça tape, soit ça soigne, soit ça tape très fort. Enfin, très fort, façon de parler. Oh la bourrine, mon gars. Ouais, tout va bien. D'accord. Et tu le vois, le démonta là-bas. Et bien on va surfer sur des bontas. Merci. J'ai cru voir un insigne en descendant. Concentrons-nous. Non, j'ai halluciné. Oh, la grotte cachée, mon gars. Putain, je sais pas pourquoi je sentais qu'il y avait une CT. Je pensais qu'il y avait une CT ou quoi. Ah, d'accord. Ok, génial. Ok, du coup, ça sert à rien. Oh, je me suis fait attaquer par un Pokémon. Un Ostérapi. Putain, mec. Les mecs. Mais... Eh, j'ai perdu Stella. D'accord. Ok, j'ai perdu Stella. Pas très cool. Pistolero. Bonjour, Yohan. Comment vas-tu, mon cher Yohan? Yohan. Oh, il m'a volé de la vie, le bâtard. Il s'est soigné de... à peu près rien.
Ben on va refaire pistolet à eau parce qu'on connaît que ça comme attaque. Vivement qu'il est l'attaque la plus puissante, la même en plus puissante. Re Isigoth. Ok, je sais pas si on peut croiser autre chose qu'un Nosferati en marchant sur l'eau comme ça. Après, c'est pas comme si je courais après un Pokémon, oh, j'en ai plein. Enfin, j'en ai un. Oh, un Psychoquack. Du coup, je m'en bats les couilles de Psychoquack. Je reviendrai plus tard. Donc il n'y a pas de CT, mais ok, il y a une cave ici. Cette vieille blague dégueulasse. T'es sûr qu'il y avait une CT cachée ou un truc ou quoi et non? Oh. Donc, ok, ils m'ont fait tout ça. Ils m'ont fait tout ça pour me dire qu'on peut rien faire. Y a rien d'intéressant là-dedans. Ah, je me disais bien que c'était bizarre qu'on vienne pour rien. Bon, évidemment, il y a les branches de la Simskull. Vous voyez que ça passe, hein, même sans Stella, easy. Totalement cool. Ça vient, et toi, t'as direct Ken, une arène ou pas? J'ai battu un... Il y a pas d'arène. Hein. Il n'y a pas d'arène, Johan. Je te spoil, il n'y a pas d'arène. Enfin, je crois pas. J'ai battu un Capitaine Dean. Si ça peut te... J'ai pas encore passé la première île, mais j'ai battu un Capitaine de l'île. Et après, il me reste à battre le monstre... dominant. Arrête de parler. Regarde bien ton démon deux secondes, tu le reverras pas. Impossible, ils comprennent que la force. Y a pas quelqu'un pour protéger de ces démentades, ces idiots. T'es caté ? Regarde, je veux dire, wesh grosse, t'es caté, regarde. Hé, hey, je suis là. Oh, je suis là, putain. Hé hey. Moi je parle au démenta au milieu, on va te battre les couilles. Allez, les deux d'un coup. Moi, je vous prends tous les deux. Oh, la Team Skull. Oui, il y a une ligue. Mais sinon, ouais, modère-moi tout ça. Modère-moi le Ken. C'est pas très Charlie. Allez, au taquin, tu vas envoyer ton attaque ultra... petite attaque de nouveau. Est-ce que je switch sur un Pokémon qui pourrait théoriquement le mettre en difficulté? Je n'ai pas ça, donc on va utiliser Pistoléo comme un gros débile. Vu mon niveau 14, Soporifique tant plutôt pas mal. Ouais. Aïe. Mais on va venir à bout avec 3 pistolets à eau, normalement, je pense. Oh, taquin. Le pistolet à eau. Oui, bien joué, bien ouais, joué au toc. Hein. Même une petite baffe. On gagne le trait. J'avais peur qu'il m'endorme. Mais il ne doit pas avoir le dialecte. Le dialecte et... Google Trad. Google, même Google, Wikipédia. Franchement. Évolue. Allez, là pour un niveau 11. Allez. Mon Pokémon a dégusté sévère. Ok. Est-ce que l'autre il veut aussi prendre sa pâtée? Cette gamine, je sais pas ce qu'elle a mangé ce matin, mais j'en veux aussi.
Puisque c'est comme ça, on va pourrir l'épreuve d'apnéo. Du... Ouais, ok, d'accord. La croix de Varian est passée dans l'accent en plus. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Donc l'autre, il voulait pas se faire défoncer aussi. Fistre, j'oublie toujours. Ok. Une eau fraîche. Non, mais moi, je veux juste surfer le Nemanta. Sérieux. Oh, le bac d'or. Vas-y, on pique un surf. Non, on peut pas. Non. Oh, y'a un mec. Non, ça ne passe pas par là. Oh, y'a un cocon bœuf. Herbe blanche. Eh, plutôt nice. Ok, je peux pas passer. D'accord. Ok, fichtre, j'oublie toujours. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Des symboles. C'est plutôt cool, les symboles. Bon, là, normalement, le Krabagar, il va nous laisser passer. Il n'est plus là. Effectivement. Il n'a pas évolué. Il n'a pas évolué. Moi, je voulais qu'il évolue trop. J'étais trop pressé qu'il évolue. Mon petit Otake. Cornèbre. Alors là, mon gars, on va le défoncer. Parce que Cornel, c'est un Pokémon ténèbre. Et en tant que Pokémon ténèbre, qu'est-ce qu'il ne kiffe pas? Eh bien, il ne kiffe pas la voix enjôleuse. Ah. Aïe. Il ne kiffe pas trop. Effectivement. Il tente la guérison, mais ça ne marchera pas. Étonnant, je n'ai pas été très autonome. Je veux dire, ça marche comment du coup s'il n'y a pas d'arène? Eh bien, ça marche par, si tu veux, par défi. si tu veux, tu as des 4 des capitaines d'île que tu dois vaincre et qui a des épreuves en fait, tout simplement. Je suis sûr qu'il y a encore la Simskull ici normalement. La dernière fois dans le premier jeu. Je pense qu'il doit y avoir un truc là-dedans, un insigne. Non mais qu'il y a des cadeaux de partout. Ah ah! Putain, mais j'en étais sûr! J'en étais sûr qu'il allait avoir un truc dedans. Je pensais qu'il... Au début, je pensais qu'il allait être là. Je vous jure, les gars. Je pensais qu'il allait être là, tu vois, collé à la maison sans que je le vois ou quoi. Ou derrière, ou je sais pas, ou devant ou quoi. Tiens, bam, un autre! Tiens, mec, j'en étais tellement sûr. Il y a l'air d'en avoir partout là. Poudre argentée. C'est cool ça. C'est cool pour les Pokémon insectes.
Ça me rappelle avant qu'on y a pas un... y a... Oh, y en a un autre, y en a un autre dans un coin, c'est obligé. Ah, une Pokéball, gros champi. D'accord, ok. Genre mon perso il est trop respectueux, il fait non, moi je marche pas sur les machins. Génial. Ici, on s'en bat les couilles, on attend que ça pousse. Voilà, en gros, c'était à peu près la morale de l'histoire. On s'en fout, voilà. Oh, tiens! Le grand radieux! Le grand monarque cosmique! Je ne sais toujours pas qui est le grand radieux, mais on verra bien. Une rune de merde, c'est cool ou pas, je ne sais pas. Depuis quand on lit les panneaux? Merde. Tiens, un Pokémon qui bouge, non, non, attends. Et merde. Oh, un Calorian! On va l'attraper. Faut qu'on l'attrape. Coloriole pour Pokémon MVP de la capture, évidemment. Attends, j'ai une idée. Je vais faire un switch de Pokémon. Pour que. Ah, mais le problème, c'est qu'il va s'affaiblir. Merde. Je vais faire un switch de Pokémon pour pas. En fait, je veux pas qu'il dépense sa gribouille. Parce qu'il a qu'une attaque gribouille. Et voilà, comme ça, il va rater sa gribouille. Et je sais pas si ça va réduire les dégâts qui s'infligent. Ah oui, d'accord. Du coup j'ai juste un je sais pas si ça je veux juste voir si ça réduit les dégâts qui s'infligent. Non, ça réduit pas du tout les dégâts qui s'infligent. Comme j'ai pas de Pokémon pour en dire, il faut que j'essaye de capturer. Et du coup, j'ai que deux bols. Du coup, j'ai fait de la merde. Super bol. On va mettre une super bol. Bonjour, t'as combattu. Ça fait plaisir de te voir jouer à Pokémon. Bah oui, mais écoute, y a pas beaucoup de monde. Hein. On n'est pas beaucoup. Évidemment, il va se tuer parce que je suis con. Mais peut-être ne serait-ce pas maintenant la meilleure occasion de lui poser une Super Ball avant qu'il meure. Peut-être que j'ai un tour de plus. Si ses PV sont pas un multiple de 4, il va lui rester un point de vie. Ce que j'ai à faire, mais il va peut-être se tuer. Bon, il est mort. Ok, ça m'apprendra, GG. Pokémon plutôt dur à capturer le Colorian, donc j'aurais dû faire gaffe. Mais bon, c'est pas grave. Ok, d'accord. Un abo de merde. 2011. J'allais dire 2011, mais non. Ok, de la merde. Putain, c'est vraiment de la merde. Oui, non. Pas se mentir. J'ai envie de le tuer parce que avec si je le tue, je pense que je peux prendre un level up. Et ça serait cool qu'il passe niveau 16 avant l'épreuve. Je pense que ça m'aiderait pas mal. Qui passe niveau 16, je peux le tuer en 3 coups visiblement, clairement. Mais c'est cool. En vrai, je pense que je le tue avec Aqua Jet. Oh, mais en même temps, je tape déjà en premier, donc je m'en fous. Ok, on a spammé le pistolet à roue. J'espère qu'il y a bientôt un endroit pour se
pour se reposer parce qu'on prend quand même pas mal de dégâts et on a plus trop de pistolets à roue, plutôt de PV. Ah d'accord, j'ai pu se gagner 0 XP. Je pensais que j'allais prendre de XP, mais alors pas du tout. Oh, c'est quoi ça? Ah, j'allais dire, les gars, j'étais en train 100%, il y a un truc là-bas. Mais alors pas du tout. Alors cet arbre, il est chelou. Non, ok, d'accord, rien. On saute. Oh le guet-apens. Oh le guet-apens. Je me suis fait alpaguer, les gars. Je me suis fait alpaguer. Je n'ai rien vu venir. L'alpagage a été direct. Ok, c'est un éleveur. Il y a un rocabo. Alors ça, c'est quand même cool, un rocabo. Pourquoi? Parce que c'est un Pokémon Rush. Et en tant que Pokémon Rush, il va se faire éclater. Coalition! Destruction! C'est ce qu'il a dit en faisant un pistolet. C'est cool les rocabos quand même. Non? J'essaie de vous imiter Donald, mais j'arrive pas. Non, j'arrive pas. Non, c'est trop compliqué. Ok, d'accord. Kevin, c'était. Donc c'est explorer au-dessus. Ok, donc il faudrait que je passe en dessous. Oh non, il y a le gros con là. Il me saoule quand même. Il y a bon des trucs, il me saoule quand même. Faut que je vire le coiffarel. Je m'en bats les steaks de ce Pokémon. Oui, c'est quoi la nature de ton otaquin? Pas de nature. Il a pas de nature. Il a pas de nature parce que j'ai eu la flemme de le reset. Enfin, c'est surtout j'ai regardé un peu plus tard et j'ai fait bon, il a pas de nature. Enfin, il a une nature neutre. Par contre, mon rocabo, j'ai reset une fois en me disant parce qu'il avait un truc pourri. Et il a eu ça et j'ai attrapé un lapourail qui en fait. Bon, par contre, le talon, c'est pas vraiment ça. What, tu vois. Genre, what, les deux sont rigides. Le talon, ok, sont rigides. Motis Mago. Comment j'utilise Motis Mago, là? Putain, je comprends rien. Grec, sauvegarder. D'accord. Je vais parler à la nana, je suis sûr qu'elle... Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu me saoules. Oh, il y a un Brutalibré. Putain, il donne un Brutalibré, c'est cool. J'espère qu'ils ont des... C'est pas là qu'ils ont des bols spéciales? Merde, je pensais. Je pensais qu'ils avaient des bols spéciales. Ok, on s'en va les steaks. C'est quoi son Motis Mago là? C'est quoi cette connerie encore?
Putain, ça doit être un truc que j'ai dans mon sac et qu'il a dû me donner. Ah oui, d'accord. D'accord, je sais. Ok, d'accord. D'accord. Le mec, c'est... Ok, d'accord. D'accord, il y a le motisme à gogo. J'ai rien compris. Tu l'avais comment ton cadeau mystère? Cadeau mystère par internet. Ou un truc comme ça. Distribution, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un truc comme ça. Je vais voir ce qu'il y avait là. Ah, j'en étais à peu près sûr. On va se fight contre elle. C'est le Rocabo qui te donne. Et qui a Crofeu. Ce qui est plutôt intéressant. Parce que ça lui permet de contrer un petit peu les Pokémon plantes. Mais bon, pas forcément totalement. Au taquin. Lui il est que fait. Je crois pas qu'il soit fait plante, je crois qu'il est que fait. Il est que fait. Par contre ce qui est cool c'est que j'ai mis midlife en un coup. Ça va me permettre de le défoncer. Putain il est pas mort. Genre il est pas mort. Allez, aqua diet. J'espère qu'elle va pas le soigner. Non c'est bon. Je pensais que j'aurais tué en deux queues, mais il a dû lui rester un point de vie. Et là, ça va être l'évolution! Vent glace, oublie une capacité, oui, pourquoi pas. Écran face, ça sera toujours mieux que ça. Je crois qu'il est. Je sais pas si c'est niveau 16 ou 18 qu'il évolue. Mec. La déception! C'est quoi que j'entends? Y'a un truc qui bouge là. Là je comprends rien. Ah c'est lui. Ok d'accord. Oui, j'imagine, c'est juste de buffer des attaques comme ça. Mais typiquement, je pense que, à part contre les dominants, c'est du cheat quoi. Putain, c'est 18 par contre, putain, merde, je suis trop à la bourre. Bonsoir, monsieur Guirouya. Même si on dit bonjour, parce qu'on est encore le jour. De toute façon, moi je dis bonjour même le soir, tellement je suis un thug. Comment va notre cher Guirouya? Ok, Thug Life. Ah, c'est lui! Salut petite tête, je suis le capitaine Atléo. Allez, c'est mon épreuve. Vas-y. Si tu m'as déjà éclaté, essaie de voir ce que tu peux faire. Oui, je suis prêtre. Je suis prêtre DPS Hill. Cac, évidemment. 3 Summoning Stone. Plutôt pas mal. On relance un run. Et c'est reparti.
Waouh, wow. D'accord, je regardais pas mon écran. C'est pas moi, c'est pas moi. Genre, j'ai vu mon perso partir en couille. Oh! Dis-moi, mon cher Girouya, il faut faire quoi avec tous les insignes de merde qu'on ramasse partout? Est-ce qu'il faut vraiment tous les ramasser? Parce que c'est super casse-couille. Tu pètes ta gueule, mon bouton. Il y a beaucoup de Pokémon redoutables dans cette grotte. Ouh. Ok, c'est bon. J'ai pas le droit de capturer de Pokémon, c'est bon, j'ai compris. Sur ce que le spectacle commence. Mon Rokabo a évolué en Garou crépusculaire, j'estime donc de dire bonsoir. Ok, d'accord. Le mec est un PD. T'as commencé tout à live aujourd'hui. Ben, on est samedi. Donc ça me déprime de spoil, tu verras quand tu veux, avant de changer d'île pour les enseignes. J'en ai attrapé plein. Ok, d'accord. Ah d'accord, je vois ces trucs de merde. Parce que moi je me suis fait chier à en ramasser plein, je crois que j'en ai 10 là. Et franchement, j'ai vraiment scouté tous les endroits pour essayer de tout trouver. Bah, je me suis dit de toute façon il va aller falloir plus tard. Mais bon. Mon glouton. Ça fait mal. Pistoléo. Ça fait mal les Trump quand même. Il va me défoncer l'autre. En vrai il va me défoncer le gros, le boss. Encore deux à vaincre. Vous savez quoi, j'irai me faire soigner entre les deux, je pense. Parce que je sais pas s'il m'a mis un coup crit ou que j'étais pas full life ou quoi. Ah ouais, d'accord, carrément. Il m'agresse. Non mais moi ce que je voulais... c'est pas que vous me dites à quoi ça sert, je voulais savoir si c'était important ou pas. Ou si je pouvais m'en battre les couilles. Donc je n'ai rien vu. En gros, c'est pas méga important quoi. C'est pas pris. Oh! Il m'a grossioté! Oh là là! Ouais, d'accord, c'est bien ce qu'il me semblait. Ne se fais pas chier à travers la récolte. Et voilà le pistolet à eau qui part. Et il est tout mouillé. Voilà. J'aimerais bien avoir une autre attaque que pistolet. Oh le lapourail qui monte niveau 12! Il n'évolue toujours pas. Encore un à vaincre. Et hey, casse-brique. Oh ça c'est nice. On va utiliser casse-brique direct. Parce que commence à casser les couilles que la pourraille il n'est pas de casse-brique quoi. Casse-brique. Quoi, il apprend pas casse-brique? What? Tu me diras, il est peut-être pas encore violent. Ça me paraît bizarre quand même qu'il apprend pas casse-brique. Je pourrais utiliser une potion aussi, mais je suis vraiment un pauvre chat. Je suppose que quand il va repasser là, il va redescendre. D'accord, il n'a rien dit. Défense plus. Ils seront pas admis en strat. Donc pareil pour l'arbre de combat. Donc en gros ils servent à que dalle.
Putain, je suis sûr que ça va me saouler. Bon. Épreuve à d'énigme à deux balles. Ah, je me disais bien qu'il y avait FDP de la Team Rocket. C'est vraiment des thugs. C'est vraiment les plus gros thugs de l'histoire. Des thugs over 9000, si je puis dire. Le sbire de la Team Skull veut se battre. Salut! Otakin est dans la place. Ah, il commence à faire gaffe. Enfin, faire gaffe. Pistolet à eau. Mais parce que voilà, la stratégie impose d'utiliser le stab. Putain, ça fait zéro dégâts. Il va m'éclater. Et. Pff, oh, les dégâts. Les dégâts colossaux. Nous allons switch in Rocabo. Rocabo! Vas-y, Rocabo. Putain, t'es trop bon. Le mien, il est rigide, gros. Je l'ai reset une fois. J'étais en mode, ouais, vas-y. Parce qu'il avait vraiment un truc pourri, je fais vas-y, je reset une fois. Et la morsure. Ouh, les dégâts sont inestimables. Non mais voilà, c'est pas urgent. Je veux dire, ça va pas m'empêcher de continuer mon scénar, donc on s'en va les steaks. Putain, je l'ai one shot. Waouh, il est encore choqué. Le suivant, est-ce que le suivant veut aussi se battre? Ou est-ce qu'il va faire, waouh, j'hallucine. C'est quoi ce délire? Une canette peut être si balèze, c'est pas possible. Laisse tomber, cette gamine, c'est une ouf dans sa tête. C'est rien, il y a un truc 15 fois pire dans l'épreuve. T'as raison, mon pote. Tu vois des petits Pokémon dans le coin? Non, c'est parce qu'ils flippent de tous de se faire manger par lui. D'accord, ok. Ok, donc ils essaient d'attraper un manglouton dans les deux terriers. Du coup, c'est cool, puisqu'ils vont, ils vont nous pousser le troisième vers nous. Eh oui, parce qu'ils nous font déjà peur de l'autre côté. Par contre, c'est un Argus. Et ça risque de... pas forcément être très très cool. Otakin. Attaque. Coalition. Pistolet à eau. Mon loup-garou qui est jovial. Ah bah jovial c'est bien aussi. On sépia top. Contestation, il casse des bouts. Tu l'as eu contestation? Parce que moi je crois qu'il avait pas contestation le mien. Je sais pas s'il avait contestation ou pas. Mais sépia top c'est juste trop fort. Pistolet à eau. S'il pouvait le tuer en deux coups ça serait cool. Wow. J'aurais bien aimé qu'il ait évolué avant d'aller affronter l'autre horreur. Mais non. Franchement, faut vraiment que j'aille le faire soigner. Ou alors, allez, potion sur les steaks. On va pas aller... multi-soutien. Ah, mais faut le faire en combat. On gaspille un petit peu d'énergie. Comment j'utilise le machin? Il faut que je clique sur le motisme, c'est ça? Comment j'obtiens les charges motisme? Le motismo gago gogo là ou je sais pas quoi. Je sais pas comment je l'obtiens. Ouais, moi aussi j'en ai chopé un. J'en ai chopé un, Guirouya. Mais il me semble pas qu'il avait le talent contestation, le mien. J'ai pris le Cresta Z. Putain, depuis quand il est aussi souple, Trump?
c'est random. D'accord. Et donc là, on est d'accord que si on veut faire, si on veut être un bâtard, il faut activer le motismo gogo. Pour lui dire, moi aussi, je sais activer le motismo gogo. Motismo 1. Ah putain, quel shit est réel, quoi. Ah bah ouais, hein. Ah, vas-y, tu vas faire quoi maintenant? Hein? Tu vas faire quoi? Bon, par contre, il y a une évolution, quoi. Il y a quand même du renfort. Il a un buff de quoi? Il a un buff de défense qui est totalement pas gênant puisque je vais attaquer avec pistolet à eau. Merde, j'ai tapé le bon bon. J'ai pas tapé le bon. Oh, il va péter ma défense. Le PD. Ah, j'ai tué le lad. Ce qui est un peu inutile. À part que j'ai gagné une XP. C'est ça, c'est plutôt cool. Construire un mur, ça rend souple. Comment ça construire un mur? Mais j'en ai trouvé un! J'ai trouvé un sépia-top dans l'herbe. J'ai trouvé un sépia-top dans l'herbe, ne vous inquiétez pas. C'est juste que bah il avait pas contestation, je crois. Ouais, je vérifie. Je crois qu'il avait un autre talent. Pistoléo! Oh, le coup crit! Ah non. Non, non, il n'y a pas eu de coup critique ou quoi. Je vais juste découper. Il monte niveau 17 ou niveau 18? Il évolue. Ils apprennent tous ce retard touchant. Ce qui est peut-être mieux que ténacité parce que j'ai un rien à branler. Ténacité. Il a dit qu'il n'avait attrapé, mais pas avec le talent constatation. Oh! 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 Oh mon god! Oh my god, evolution! Oh yeah! 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 Oh oui, oui, oui! Bon, sinon, tout va bien. Ah, j'ai créé l'ail! Oh, Tarlette! Elle pouvait pas évoluer avant le combat. Genre, pour que ce soit plus facile. Bah non. Et comment t'as fait pour qu'il ait le talent constellation, Girouya? Tu lui as fait une chaîne ou quoi? La 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 la, trop fort mon gars. La Normaz Elite. Petite dinse de la win. Ça, la mèche. Oh mon dieu, ce jeu de mots. Super bon, nice. Puis évidemment, il y a la CT qu'on a vu en haut et qu'on sur l'image et qu'on ne peut pas attraper, qui était exactement au même endroit. Donc on voit là, hein, on voit d'ici. C'était rigolo. Oh, un cristal Z. Salut, moi c'est Zoé, notre copine Larousse. Alors, je rappelle que Roddy et Zoé sont les disciples du grand monarque, hein.
Donc de Sinéen du Riff. Ah putain, c'est une 5 étoiles, ça casse les couilles. J'ai failli la garder. Si bien suivi, c'est maintenant qu'il s'agit de changer de situation traditionnelle. Aloha à toi, je me nomme Brody. C'était marqué. Oui, nous sommes l'Ultra Commando. Je suis ultra fan du concept de Pokéball, il faut absolument qu'on essaie de copier ça. Mais là, on doit partir en quête. Et on a une enquête à mener sur les auras et les cristaux Z. A bientôt. C'est des robots. Enfin, c'est des disciples. C'était rigolo. Oui, bon. Je m'en fous, Motisma. Non. Je veux juste que tu me fasses des. Des auras. Mais pourquoi c'est jaune? Est-ce que c'est ça? Je sais pas si on peut en avoir plus ou pas, ça change à chaque fois. Moi je vais les garder juste pour les boss ou quoi. Ah putain, je fais chier. C'était l'arsin. Oui Théo, quand Rockabao passe au niveau 25 entre 17 et 18 heures. Totalement chiant pour les gens qui jouent pas entre 17 et 18 heures. Et alors il est entre 17 et 18 heures. Et comment tu l'as attrapé avec le talent constatatien? Il avait contestation de façon naturelle, d'accord. Pourquoi j'ai envoyé cette attaque? Ah oui, c'était pour lui baisser sa vitesse. Ok, d'accord. Donc ils peuvent avoir contestation. Pistoléo! Oh, le gros spamage. Putain, la classe. Ce Pokémon va me carry tout l'univers. Le seul problème, c'est qu'il est un peu lent. Ah, il y avait un truc par terre. Une baie au rond, d'accord, il va avoir ça sur lui. Donc, on est d'accord que les mecs rentrent dans la grotte pendant l'épreuve au calme. Et tout le monde s'en va les couilles. Oh, Sonic Trail. Oh yeah. Un Pokémon Dragon. Enfin, je sais pas s'il est dragon dans cette forme. Est-ce qu'il est dragon dans cette forme? Je ne sais pas. Si je fais ça, je vais le tuer. Je vais faire pistolet. Je sais pas s'il est dragon ou il est en Sony Strain. Il a l'air d'être dragon puisqu'il a résisté. On va lui. Oh putain. Putain, pourquoi? Ok, aucun Pokémon n'a pas. Évidemment, s'il a tanké cette attaque, il ne tankera pas un Aquajet. Enfin, il tankera un Aquajet puisque mon Pokémon tape moins fort sur le physique. D'accord. D'accord, donc les stats, on s'en fout en fait. On s'en fout. Bon bah j'ai tué Sonic Strain. Ok d'accord. Je suis dégoûté. Je voulais attraper. Je suis trop con. Putain mais il a quoi comme stat ce Pokémon? Il est pas censé avoir beaucoup plus d'attaque spéciale que d'attaque? D'accord. Genre il a 3 de plus. En fait non. Le mien il est pourri. Il a 3 de plus. Ok tout va bien. Tout va bien. Tout va absolument bien. Bonjour cheminée. Oh notre Sonic Trail! Putain c'est comme les. C'est comme les putains de. Tu vois, hein? Les putains de. Attends mais ça c'est pas stabé, donc ça va pas tuer, ça va pas tuer. Parce que c'est pas stabé. À moins qu'il ait le stab. À moins que Tarlet soit de type. Bon visiblement ils sont pas rares, c'est ça qui est pas très inquiétant. Ils ont pas l'air d'être très rares. D'accord, et pourquoi il s'est stabé? Il a le stab au Tarlet? Dis-moi qu'il a pas le stab. Il a le stab? Mais non, il est que de type eau, ça aurait jamais dû le tuer. Tout à l'heure, pistolet à eau, ça lui a fait à peine la moitié. Et c'était x1,5, alors que là c'est x2. Puisque c'est super efficace, mais que c'est pas stabé. Je ne comprends plus rien. Ce jeu est très compliqué. Ou alors s'il faut, je les one shot de que dalle. Salut, mais... Oh là 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 là! C'est Strain! Oh non, pas lui! Lui est chiant là! Lui il mérite juste un. Il mérite un. Je voulais un Sonic Strain! Laser Glass. Tu veux pas jouer à Adibou? J'adore ce jeu. Écoute, cheminée.
Si t'es là pour dire de la merde, tu peux aussi aller ailleurs. Ouais, mais du coup... Ouais, ok, d'accord. Sauf que, explique-moi, une attaque puissance 40 fois 1,5, donc plus de puissance 60, ça lui a mis mid life. Donc là, une attaque de puissance 80, ça aurait des... Il n'y avait aucune raison que ça le tue. Je pense que je suis juste tombé sur une chips. Oh putain, le gros compte de piqueur. Vas-y, je veux juste un sinistre. Bon, allez, je vais me barrer parce que ça va me saouler. J'en fais juste un autre de plus et puis voilà. Putain, il a des pics sur la tête. Ah, je suis tombé sur un genre fragile, arrête. Arrête, je suis tombé sur un genre fragile. Et non, je l'ai bait, mon gars. Et vous, vous aussi, je vous ai bait. Je veux mon Sonic Trail. Ah! Et normalement, il est censé tanker ça. À moins que pistolet à eau fasse plus que la moitié et que j'ai mal vu. On va voir. Bah oui, c'est pas censé. Et c'est un coup critique, gros! Ah mais oui, mais c'est pas efficace, pardon, pistolet à eau, j'ai oublié. Pardon, j'ai oublié que pistolet à eau c'était pas efficace, effectivement. Donc là, si je mute... Ouais, ça tue, effectivement, j'ai dit de la merde. Par contre, pourquoi le... Pourquoi ça a tué? J'ai pas compris, par contre, pourquoi l'aquadiette a tué. Mais parce que en fait, il a quasi autant d'attaquants. Comment j'annule B. Est-ce que je peux le capturer? Lançons la capture. Oh, j'ai raté un run. What? J'ai raté un run. Mais non. La team était pas censée pouvoir foirer. Mais non. Je suis dégoûté. Bon, bah, Théo Mars. Tonton Théo Mars. Tonton Théo Mars. Tonton Théo Mars. Parce que lui, il a une endure. Bonjour, Yuna. Il a des restes sinistrés, je crois. Non, je crois qu'il m'a fait vol vie. Je crois qu'il m'a fait vol vie. Après, il a peut-être des restes. Et alors, les fruits. Et en véritable gourmet, il ne mange que ceux qui sont bien mûrs. D'accord. Le mec détermine... Le degré de maturité du fruit aux ultrasons. Putain, mais qu'est-ce qu'il est malin. On va voir s'il avait des restes, comme tu as dit. Non, non, c'était Volvi, je pense. Volvi ou vampirisme ou une connerie comme ça. Voilà, c'est juste qu'il avait Volvi. C'est bien ce qui me semblait. Par contre, il est dégueulasse. Hein, vitesse moins... vitesse moins pour un Pokémon rapide. C'est de la merde. Mais bon, moi je l'ai. Wesh, PD. Envoie les... Je sais pas quoi. Ah oui, ok, d'accord. J'ai fait sauter les barrières. Lui, c'est vraiment l'esclave, en fait. C'est l'esclave du mec. Genre, il est là. Salut, c'est moi. J'ouvre les barrières. Oh, je suis le professeur Euphorb. Oui, non, mais je sais, me servir de la force Z, merci. Ah, ils l'ont changé d'endroit. Ah, ils l'ont mis dans le sac. D'accord. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Ou alors, ça se trouve, ça a pas changé du tout. Oh, il y a un Caninos, trop cool. Rocabo! Ah non, qu'il avait déjà sur lui, équipé. Hein. Allez, dépêche-toi, putain, t'es en x0 là ou quoi?
Le gros yeux Z, vas-y, fais gros yeux Z. Oh non, putain, je voulais qu'il fasse gros yeux Z. Mec, gros yeux Z, c'était stylé, gros yeux Z, en vrai. La vérité, c'était stylé. Vous m'avez pas dit la vérité. Le turbo charge bulldozer. Et il va charger. Par contre, c'est bizarre comment il avance alors que ses pieds de devant ne bougent pas. Il est KO. Ok, my bad. Non, mais t'inquiète, Guerouilla, je prévois tout. J'ai perdu. Ah, ça me revient. J'ai perdu Livy sur la route 3. Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon, grouillez-vous là. Moi, je voulais juste savoir s'il y avait un crabe bagarre dans les fruits. C'est en rien. S'il te plaît, m'attaque pas quand je marche dans les arbres. Et là, une attaque sauvage apparaît. Oh, c'est le caninos! Le caninos! Bon, évidemment, si je fais pistolet à eau, il va mourir. Hein? Si je fais pistolet à eau, il va mourir. Si je fais voix enjouleuse, il va pas mourir. Si je fais vent glace, il va pas. Oh, vent je laisse, peut-être ça va le tuer. Je sais pas. Normalement, ça tue pas, c'est pas super efficace. Voilà. Ah, il m'a baissé mon attaque. Ah non, c'est ma défense. Merde, je suis con. Ben, on va refaire vent je laisse. On va attraper le caninos. Très efficace. Flamèche. Une attaque très puissante s'il en est. La. Non! La Pokéball est lancée. Ah mais c'est vrai, on pouvait la lancer direct avec la touche Y. Ah, vous êtes prêts? C'est parti. Attention. Attrapez le caninos du premier coup. C'est qui le dresseur de Pokémon, les gars? C'est qui le dresseur de Pokémon? Est-ce que le temps est meilleur? 3 minutes 8. Non, le temps n'est pas meilleur. Théomar, c'est beaucoup plus long que Stella. Mais peut-être amène encore, peut-être encore plus de safe-itude. Je ne sais pas. Enregistré. Ok. Ah, qu'est-ce que c'est relou. La baie Kika pour kicker les gens. Pourquoi à chaque fois ça proc entre les deux? Voilà. Ratata dégueulasse. Et tu sais quoi, je vais lui faire une voix enjouleuse. Il n'a pas le double type au Tarlet. C'est dommage qu'il n'ait pas le double type. Nice des sous. Ok, 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 on va soigner les Pokémon. Ça les Pokémon. J'ai pas regardé le type du caninos, on va regarder ça, on va les poser sûrement là. Parce que j'ai pas envie de rejouer avec un caninos. Nature, Kika. Juste vérifier. Okay, ouais, non, non. Il a fouille, par contre, il a fouille, ça pourrait être utile. Merde, j'ai pas posé, excusez-moi. Par contre, je vais remettre Stella parce que ça me saoule. Mais attends, j'ai pas regardé ces piatropes. Tiens, top, top. Tu vois, moi il a ventouse. Ah, ça peut servir pour pêcher, ventouse. Enfin, peut-être plus maintenant. Je sais plus comment ça marche maintenant. Si, ça doit servir encore. Le mien, il a ventouse. Voilà, il se colle aux autres Pokémon, qui est vachement moins intéressant que Contestation. Mais bon, voilà quoi. Wesh PD, tu veux te battre? Oh non. «
Mec, t'as vu comment j'ai surprise. Qui est RTA dans le chat? Rien, je suis très early. C'est quand que tu viens dans notre guild, Guirouya? Le mec relou. Un doudou V. Et ce qui est cool, c'est que... Attaque Van Glace. Eh ouais, mon gars, attaque Van Glace. Totalement cool. Totalement cool, Van Glace, mon gars. 3 minutes, c'est extrêmement long. Contre niveau 18. Bah, remets Stella. Parce que si elle foire visiblement. Bon, on fait chier, je pensais qu'il y avait 100%, plus maintenant. Je suis un peu dégoûté. Mais je dois avoir 99, beaucoup. Oh, Cabon! Oh, on a oublié une capacité pour apprendre des pierres. T'as gardé et traîne pour faire de l'or, Guirouya ou pas? Mais pas pour les mêmes raisons. Mais mec, tu te rends pas compte, hein. Tu te rends pas compte, mon cher Guirouya. Arrêtez de me dire que je suis super fort ou quoi. En plus, t'as des monstres super cool et tout. Oh, la psing, ouais. Oh, Tarlette, s'il te plaît. Le laser pas glace. Je trouve ça nul qui est marqué pas efficace. Putain, on peut pas l'enlever ça. Putain, ça devrait être interdit que ce soit affiché quoi. Ça rend le jeu trop con et les gens sont trop cons. Putain, on leur enlève la seule difficulté qu'il y avait de réfléchir au type. Ils auraient tellement dû enlever ça quoi. Elle avait fait le truc efficace. Parce que moi je peux te dire, c'est qu'il y avait des gros cons après. Ils faisaient quoi? Eh bien ils faisaient séisme sur mon Motisma. Hein, en 1v1 ils faisaient séisme sur mon Motisma. Pourquoi? Parce qu'il y avait marqué super efficace. Parce qu'ils avaient vraiment pas de cerveau. Mais je m'en fous, Guirou. Quand même. Ok Yuna, bah GG. C'est un Monty Shannon 5 étoiles. Où est-ce que tu peux s'il te plaît chercher le Sépiatros? Eh ben non, mais j'ai pas que ça à faire de chercher un Sépiatros contestation dans un buisson. Mais oh, il y a marqué rush sur le titre. Ok, je suis pas trop en train de rush, mais un peu quand même. Il y a quoi là-dedans? Je suis trop curieux de savoir ce qu'il y a là-dedans. Un seul Pokémon. Moi je peux, j'ai que un 6 étoiles. Voilà, tu vois. Voilà. Retirer le efficace, c'est sérieux? Oh, y'a un bon bidou! On va lui faire pistolet à eau. On le capture, s'il tombe pas, on le capture pas sur l'insecte. Il appelle à l'aide le relou. Oh, ça va être bien chiant. Ça va être très très chiant, directement très très chiant. Il m'a baissé mon attaque spéciale, je crois. Je fais même pas le one shot. Ah, ça va. Critique par aspect. Ah, ils vont me saouler. Ils vont grave me saouler, je le sens. Ils vont grave me saouler. Voilà, tu dégages. Appelle pas l'aide, appelle pas l'aide, appelle pas l'aide. Surtout que normalement, au bout de 3 smileys, c'est un ban. Mais j'ai un modérateur, mais il glande, mon gars, c'est un truc de ouf. Mon modérateur, il glande de ouf. Putain, mais nique ta mère.
balance une super bonne là comme ça il me cassera pas les couilles. Le truc c'est que si je mets trop low il va appeler à l'aide ce gros con. J'ai pas envie qu'il me saoule avec ça. Attrape un autre jutsu, voilà. Très très bien. Ok c'est un bombidou, bambi 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 do, bambi 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 do. Merde j'ai oublié de soigner mon Pokémon. Enregistré. Bambi do. C'est où ces conneries? Poké détente mes cacahuètes. Tiens, t'as gagné une cacahuète. Mais que fais-tu? Modère-moi tout ça, putain, easy go. Easy go. Je sais même plus où je devais aller. Il faut que... Il me donne assez d'atterrissage? Grolozen, c'est plutôt cool. What? Mais j'ai pas, j'étais pas dans l'herbe. J'étais pas dans l'herbe. Fleuron singe, super. Tu sais, il modère pas les postes pour autant. J'avais déjà dit que les smileys étaient prohibés. Et non, c'est l'abus de smiley qui n'est. Pourquoi ça s'affiche pas? Attends, là ça s'affiche pas, ça s'affiche que contre les dresseurs. What? D'accord. Et tu vois pas les paquets de smiley au-dessus? Par 4? Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a à modérer? Open your eyes. Option. Non, c'était le scanner mes couilles. J'ai cru que j'avais cliqué. C'est où? C'est où Ouais, c'est à peu près ça, Guirouille. Par contre, c'est où que je règle les trucs, là? Ouf, on s'en bat les couilles. C'est où que je gère ce que vous m'avez dit, là? Vous m'avez dit qu'on pouvait l'enlever, l'affichage des trucs de merde. C'est vraiment triste que tous les poké youtubeurs qui ont insulté Game Freak, c'est ingrat. C'est vraiment triste tous les poké youtubeurs qui ont insulté Game Freak, c'est ingrat. Pourquoi ils ont insulté Game Freak, pourquoi? Par contre, votre truc histoire que je peux l'enlever là, c'est une connerie. J'ai pas vu où c'est que je peux enlever les notifs, je sais pas quoi. Par contre, il fallait que je vainque les trois des sœurs et j'en ai trouvé que deux. Oui, donc le troisième. Et peut-être plus bas. Là, sous-entendu, elle est là-bas. Là, il n'y avait que deux. Bon, c'est 100%, elle est là, c'est sûr. Mais là, je veux qu'il m'apprenne atterrissage, le mec. Je suis trop chaud, moi, pour atterrissage. Oh, le bec pointu, mon gars.
Ouais, en fait, notre dresseur, il doit être plus bas. Je crois que cette possibilité. Et du coup, il est après le professeur en forme. Et du coup, je peux pas le fight encore. Ok. Coucou. Doudou est perdu. Doudou, il s'est perdu des fleurs. Va chercher Doudou à ma place. Genre, on te met un petit peu le tunnel en évidence, hein. Et du coup, bah, je reste planté là. Mot XP. C'est quoi cette connerie? Eh mais ils ont craqué leur sip avec leur motisme là. Mais il est allé dans la grotte ou pas? Oh c'est ouf. Il y en a, ils disent vraiment de la merde. C'est dans les options du jeu. Écoute, hein. Écoute. Ah, donc c'est dans la grotte. Donc c'est bien la boîte. Une fille est bonne. Pas de Pokémon. Oh, putain, j'étais là en mode... Oui, ça passe. Et j'ai senti qu'à la fin j'allais m'en payer. Oh, une plumeline. Ou un plumeline. Il est électrique celui-là en plus. Je crois que c'est pas très cool. Mais il est vol. Donc, je crois que Vanglas a droit de lui défoncer ses dents. Yes. Pratique ce petit stab. Ce petit stab, enfin non stab, hein, c'est pas un stab, cette petite attaque vent, plutôt super cool je trouve. Je sais pas où je vais. D'accord. Ok. La meuf a pris de la cocaïne. Phaedra, l'actrice, veut se battre. Ça se trouve, il a même pas remarqué que c'était pas, c'était actif que contre les dresseurs. Et que c'est pas actif contre les Pokémon. Oh, j'ai drop sa vitesse. Mais quel gameplay. Et maintenant, je l'outspeed. Et voilà le gameplay de vitre. Quel génie. Putain, je suis trop fort. Jetons-nous des fleurs. Je crois par contre... Oh putain, les ruines pourries, quoi. Je crois par contre que c'était l'heure d'aller farmer 9 sur 10. Putain, est-ce que j'étais... Est-ce que je suis pas un petit peu pressé quand même? Est-ce que le war boss est tombé? Ou est-ce que c'est demain qui tombe? Je ne sais plus. Est-ce qu'il est à 15% ou pas? Ah, j'ai une attaque de plus. Du coup, je vais pouvoir finir top 10% demain, c'est sûr. Tranquillou, bilou. Parfait. Si j'arrive à faire top 10% à chaque fois, ça serait vraiment cool. Est-ce que je me suis fait trouver le cul? Bah, même pas tellement. Pas tellement. Fais chier, j'ai pas envie de faire de ce meurtre. Ah, ma méga n'est pas en win, donc ça marchera pas. Je peux pas lui chaîne ça. Par contre, je peux pas lui chaîne, mais je peux le stall de l'infini. Donc je vais faire ça, je vais stall de l'infini. Et ça devrait être bon. Non, non, mais bah les couilles encore. Ah, mais bon, Bibi. Oh oui, bon, argenté, c'est trop cool. Mais en vrai, il a des attaques grave cool. Volvie, on s'en fout. Là, je vais prendre un petit peu, j'ai pris un petit peu le tarif.
Mais là, on va pas se mentir, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir buter Léo. D'ailleurs, je vais stripper tous les buffs. D'accord. Je vais mettre une immune à mon... Enfin, mon immune. C'est pas une immune. Est-ce qu'on peut le tuer? Ouah. Ouais, mais Sazum va soigner, ça va être chiant. Oh, il y a un anti-heal. Oh, ça, c'est pas sport. Ça, c'est pas très, très sport. Voire pas très, très sport du tout. Je vais soigner. Est-ce qu'on... Oh, attends. En vrai, il meurt. Il meurt, le Léo. Il se prend un coup. Oh, pff, allez. Ah ouais, mais est-ce qu'elle va jouer avant moi, la Sazum? Oh, j'en sais rien. Ah oui, elle a déjà claqué son soin, donc je m'en fous. Je peux y aller. Boum. Ok, d'accord, je suis mort. 37k. Mais non, arrête de rejouer, quoi, bordel. Ok, j'ai tué le mec chiant. Je n'ai plus qu'à soigner mon panda. Une fois que mon panda sera soigné, ça sera bon. Faut juste qu'il survive à un coup de Xingzhe. Une fois qu'il aura survécu à un coup de Xingzhe, ce sera bon. C'était putain de close. J'ai dit que ce serait bon, mais en fait, je sais pas. C'est pas gagné. Toc. Ah, faut que je kick Xingzhe. Ça se rune comment Sakhmet? Aucune idée. Je n'ai pas Sakhmet. Non, ça se rune en Desper, je pense. En vrai. La petite Sakhmet. Oh là là. Il y a le break dev, donc ça va peut-être marcher. Faut juste que je le tue. Ok, c'est bon. J'ai plus qu'à focus ça. Par contre, j'ai un impératif de merde. Qui fait que je reviendrai stream après manger. Parce que je mange tôt aujourd'hui. Ne me posez pas trop de questions. Je streamerai probablement à partir de 20h. Voire même avant. Donc je vous dis à dans 2h. Merci les gens filous d'avoir regardé ce merveilleux stream. Pourquoi elles tournent si elles ne changent pas de tenue? C'est nul. Ok. Donc ciao tout le monde. Ah ouais, d'accord, carrément elle a disparu. Pig venin. D'accord. Des bisous à tous. Hyper rapide. Hyper rapide et précis. Bah oui, il faut un peu de précision. Mais moi, je ruinerai en Desper. Pour essayer de stun, je pense, sur Sakhmet. Alors, soit Desper, soit Swift. Les deux ont une justification. Mais bon, c'est à vous de voir après. Pourquoi j'ai envoyé vos glaces? Genre, j'allais pas au speed. Évidemment, là-bas, c'est, le combat a l'air de durer un petit peu longtemps. Je ne sais point pourquoi. Je pensais qu'en auto ça passerait tout seul, mais visiblement il se fait un peu trop break def, un peu trop glantic, genre H24. Et du coup, c'est un peu chiant, mais je pense que ça va finir par passer. Voilà. Ok. Du coup, ça va être tout pour aujourd'hui. À ce soir. Des bisous. Ce dresseur, tu vas rencontrer Sakil. D'accord. Ok. J'arrive. Bon, j'y vais. Il y a des relous chez WAM. Ciao ciao. Et à tout à l'heure. Du coup, je vais sauvegarder, je vais reprendre exactement où j'en suis. Ne vous inquiétez pas, le doudou V est mort. Par contre, je crois que pour sortir, il fallait que je passe par en haut. Donc je vais passer... Oh, Rocabon, on peut où c'est. Tac, 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 tac. Ok, je sauvegarde. A tout à l'heure. C'était Tommy. Ce stream est maintenant terminé. Reprise ce soir à 20h. Ciao, bye bye. Et des bisous. Hein, des bisous. Ciao, ciao. Tac. Et j'ai gagné mon combat. C'est cool.